No. Je suis content que tu sois content, ça fait changement. Oui. Tu es heureux. Non, non, mais attends, premièrement, premièrement on, on a un invité, mais d'une hautement spéciale. Deuxièmement, <laughs> Deuxièmement, on a reçu beaucoup de gens, on a rencontré beaucoup de gens dans notre vie. Puis, l'invité qu'on s'apprête à recevoir, non seulement j'ai exigé qu'on ait une rencontre préparatoire, ce qui est la première fois de l'histoire de notre podcast. Mm -hmm. Parce que non mais c'est vrai. Deuxièmement, mais première à toi, il est venu écouter le, il est venu me regarder, il a le football. Non. J'ai dit, je pense que ça serait le fun de faire ça, 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 ça. Deuxièmement, c'est c'est quelqu'un que, qui excelle dans tout ce que je devrais exceller dans la vie. Le premièrement euh, le storytelling, deuxièmement l'élégance, troisièmement TikTok, quatrièmement les chiffres. Comme c'est. Si, tu veux être un, une, une vedette TikTok, Phil je, Non, je m'en fous. C'est quelqu'un que j'admire pour vrai. Okay. Parce que si on est deux princes, on reçoit un roi en ce moment. Ah, Thomas? Oui, oui, Phil. <laughs> s'il te plaît. Hey, non, mais pour une fois que je fais une introduction. Phil, il fait de la radio commerciale. Fait que des fois, il y a oui. des intros de radio commerciale. c'est correct. Fait veux-tu présenter notre invité, s'il te plaît? Mes messieurs, PC je coeur. bienvenue capote. à l'introduction <laughs> de Malade. Non, je ne pas, je suis tellement content. Oh, je suis d'être là aussi. Ben, merci d'être ouais, là, merci ouais. d'accepter. J'étais étonné que tu t'acceptes, mais, mais, mais merci. Ouais, de te voir ouais. en vrai, ouais. euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment ouais. content. Ouais. Je suis pas content aussi. C'était comme un, un coup de tête. Tu sais que tu m'avais écrit, j'avais mmh. pas eu le temps de te répondre. J'étais comme, garde, mmh. je vais répondre plus tard. J'ai pas fait, là, mais quand j'ai vu la vidéo, je suis parti à rire. Oh. Coup d'état. J'avais <laughs> fait, fait, OK, go, on le fait. Pis souvent, je trouve que c'est ça les meilleurs, soit podcast ou discussions ou juste les meilleurs événements c'est quand c'est décidé sur un coup de tête let's go fait que, ben, non, ouais, mais chance. merci d'avoir eu ce coup de tête là parce que tu es, es quand même sincèrement sûrement une des personnalités euh, TikTok les plus connues là, je veux dire t es, t es, non mais pour vrai es, c'est quand même incroyable ce que tu as fait ouais. c'est sûr que pour être franc moi, je le vois pas, je le vois pas de main mais je le réalise pas tu sais du sens que comme du moment que on avait, on va dire, euh, 1000 abonnés versus là dans ma tête, il n'y a pas de différence. Ouais. C'est sûr que quand dans, dans, dans mon day-to-day, -day, sais dans la business en tant que tel, je le sens plus, mettons, mais. tu ne sais pas de show et que tu vois pas les gens qui t'écoutent. Non, c'est ça. Ben, en fait, tu les fait vois fait. autrement parce qu'ils te contactent, j'imagine, les ouais, gens. Oui, c'est ça. Puis même, on dirait au début, surtout au début, mettons, je m'attendais pas à ce que justement, tu sais, les vidéos et tout ça, ça commence à fonctionner. J'étais comme on va le faire juste pour genre faut que ça soit différent parce que justement quand je suis rentré dans le courtage hypothécaire moi j'avais aucune idée mettons comment que allais avoir des clients uh -huh. puis quand je demandais à d'autres courtiers c'était toujours comme euh, ben d'un fois c'est des références d'un fois c'est euh, d'un fois c'est du Google AdWords d'un fois écoute tu t'en vas des places là je suis comme mais Colin tu vas à des places lesquelles? Ouais, ben c'est ça. Ouais. ça ben faut que tu connaisses du monde mais je comme j'ai aucune connaissance tu sais comme puis même en finance j'ai pas vraiment étudié là-dedans avant de faire mon cours mm -hmm. Puis je ne sais. J'aurais voulu aller là-dedans, mettons, mais avec ce que tu viens de me dire avec tes notes scolaires, que t'as lâché l'école jeune, moi j'ai J'ai comme lâché au Cégep, mais je passais toujours à fesse, mm -hmm. puis je l'ai fait parce que mes parents voulaient que je le fasse, mettons. Puis je me posais tout pourquoi je vais à l'école, pourquoi je vais à l'école. Fait j'ai pas voulu aller en finance, mais ben, je me trouvais pas assez, mettons, bon parce ben, que j'étais complexé par mes notes. Ah, cest vrai? Oh, oui. Mettons, je passais, tu 60, 65, fait que t'sais, je trouvais que quand dans la classe, tu vois du monde avec des 80, 90, t'sais, même dans ma famille, mettons, du côté, mettons, ma tante et ses enfants, ils ont toujours eu des moyennes générales de 95, 97 mm -hmm. Fait que t'sais, ma mère, elle n'a jamais rien dit, puis elle a jamais voulu qu'on soit vraiment, tu des, des, des médecins ou, tu des avocats, whatever. Mais tu sais, je le sais qu'au fond d'elle, elle aurait sûrement voulu, mettons, tu qu'on ait t'sais, des 80, 85, mm -hmm. whatever. Mais jamais que ça me fait sentir ça, mais je le savais. Pis, fait c'est pour ça qu'après ça d'avoir fait mon mettons comme mon cours pour être coursier hypothécaire, puis mm -hmm. tout après, après avoir été en vente, j'étais comme, pas très autonome, je me chie d'un culot. Puis quand je suis parti, tu la journée juste, mon permis, j'avais plus une scène dans mon compte de banque, j'avais une marge de 50 000 okay. Fait que j'étais comme là, mettons, dans un an, tu t'en vas chez Raymond Chabot. Fait que j'étais comme, <laughs> comme, parce que vivre, ça coûtait 4 000 par mois, le loyer, paiement de wow. sais, réalistiquement parlant, fait que j'étais comme, tu un an, mais faut que tu fasses de quoi qui va être différent, mettons. Puis euh, c'est ça, c'est de même qu'on a commencé les vidéos. Ah ouais? C'est juste de même parce que j'avais un gars que j'avais aidé quand j'étais chez Bro Martino quatre ans avant. C'est parti une compagnie de vidéographie. Puis quand ça n'avait pas marché, parce que ça me tentait plus finalement, mais j'avais tout laissé. J'ai dit un jour, je vais peut-être avoir besoin de toi. Puis comme tu vas m'aider, fait que là, lui il était comme what the fuck, tu, sais, tu me laisses tout l'équipement, etc. Je suis comme je vais le vendre, OK, fine, je vais, je vais faire mettons 9-10 000 Mais tu sais, c'est con, mais je n'étais pas à 9-10 000 mm -hmm. Durant ce temps-là, mais j'avais ouais. encore chez mes parents, mettons, puis j'avais pas de dépenses. puis j'étais en vente, puis j'étais quand même bon, fait que je faisais quand même des sous. Puis là, je l'ai appelé. J'ai dit, faut qu'on trouve un moyen de comme, être différent, de faire du contenu. puis Parce que je trouvais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui poste à tous les jours, mettons, de façon constante. puis tu sais, comme je me rendais compte que même si, exemple que j'aimais pas la personne. Quand j'avais rien à faire, des fois, je suis comme, ah, oh, je vais quand même aller voir parce que je qu'il va y avoir de quoi de nouveau. Ouais. Puis même au Québec, il y en a qui posent du contenu, mais j'étais comme, je connais pas personne qui était constant au mmh. point que, comme à tous les jours. Puis même aux États-Unis, je trouve, ou même peut-être ailleurs au Canada, mais je n'en connais pas, qui posent deux, trois fois par jour, mais comme à tous les jours. C'est sûr que ça te prend une équipe, ça te prend du monde en arrière de ça. Du temps, surtout. Du ouais. temps. Puis j'étais comme, faudrait qu'on essaie de faire ça. Et tranquillement, pas vite, on essaie de concocter des vidéos. Puis au début. Non seulement, tu sais, on n'avait pas énormément de views, mais je m'étais dit « on verra dans un an ». Fait que vu que mon target, c'était pas comme « faut que ça marche ouais. », on dirait que la pression était ailleurs à comme… Faut le faire. C'est ça. Faut juste, là, un an de rodage. Anyway, j'étais comme « t'as un an, je vraiment devant toi pour, mettons, tu sais, comme… Si, mettons, là, tu fais deux, trois deals, là, dans ton anneau complet, là, ça va déjà être du bonus. Parce que là, en ce moment, tu te dis que dans un an, tu vas être à moins 48 000. T'as trois, quatre clients, tu vas avoir fait une coupe de mille. Ça, ça d'ailleurs, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, mais, mais préviens-moi, Thomas, je ne vais pas interrompre tout le long parce que j'ai tendance à être content. Mais, <laughs> euh... <laughs> okay, mais, mais est-ce que justement tu dirais que euh, le fait d'avoir un objectif sur un an, puis pas comme tu dis, tu suite rentabilité, c'est une des clés de, du succès ouais. ou de ton succès? Avoir un échéancier, entre guillemets, réaliste, ouais. là, mettons. Ouais, ouais. Puis, tu sais, comme là, mettons, on parle par rapport à, mettons, on va dire, la job, mais même, tu sais, veux, veux pas tous les jours. Tu sais, je dis, que avec du monde, ceux qui veulent acheter une maison, un ouais. condo, tu sais, des parcs, mettons, whatever. Puis, tu sais, souvent, le monde, c'est comme, ils veulent tout là, là. Ouais. Mais, comme, il y, y, y en a des fois que c'est comme, ça marche pas. Puis, quand, mettons, je le fais comprendre, puis, il me garde, là, là je dire, tu, tu n'as pas d'argent, là. Ouais, mais la mise de fond, je pourrais l'emprunter. ça paraît bizarre, là, tu sais, à moins que c'est un don, là, tu sais, de commencer à, T'sais, fuck off fais-toi un plan mettons, ok bon ben d'ici deux ans je suis capable de mettre combien de côtés de façon réalistique. » Des d'un fois le monde n'aime pas ça se faire dire ça ouais. le monde, ils veulent se faire dire non non mais ben, je vais être riche demain matin puis euh, mais surtout sais, comme maintenant juste c'est comme à partir comme courtier puis comme les vidéos ce avec le temps ce qu'on a réalisé c'est que je suis bon comme raconteur mais tout ça ça m'a peut-être pris 10 ans. Tu commences, tu En vente, quand j'ai commencé à en vendre, mmh. comment parler avec le monde, qu'est-ce qui est plus malaisant, qu'est-ce qui rend le monde plus confortable, qu'est-ce que c'est. Même mettons, un courtier hypothécaire qui commence puis qui se dit OK, good, mais je vais commencer à faire des vidéos demain matin en espérant que ça fasse exactement comme lui. Ouais. Le monde, il voit où est-ce qu'on est rendu. Mais même moi, mettons, au début, je m'attendais même pas à ce que ça soit aussi gros. Tu étais moins confortable au début que tu l'es aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Sur la caméra. Oui, exact. De, de, devant la caméra, mais aussi, surtout financièrement. Dans, dans le sens que ce que je veux dire, au début, c'était comme. Chaque seconde de chaque journée, il faut qu'on fasse de quoi qui va faire en sorte que. OK, good, on passe. OK, mais est-ce qu'il y aurait de quoi d'autre qu'on pourrait faire pour essayer de trouver des clients? Fait qu'on dirait que cette fin-là de comme, je comprends que tout le monde relaxe puis ils ont du fun, mais moi, j'ai. Même pas, genre, je voudrais, je peux même pas. Tu sais, c'est comme. Je comprends. Avant tout, oui, tes cœurs. c'est quoi ça? Ben, dans le fond, tu sais, comme. Pis ça, c'est bon que tu demandes ça parce que même moi, avant de commencer mon cours, j'avais pas nécessairement une idée c'était quoi. Pis c'est la raison pourquoi je suis là-dedans, c'est T'sais, petite parenthèse, puis je vais en revenir à oh, justement. Ben, c'est quoi exactement? C'est que moi, mettons, je suis toujours été en vente puisque j'ai toujours aimé en vente, mettons. Tu sais, parce que j'ai vendu des charges j'ai vendu des télés, ouais. j'ai vendu des ordis. Tu sais, souvent, tu entends le mot vendeur, tu es comme un oh, petit crosseur. Tu sais, mettons, tu es comme, ah oh, non, tu sais, genre, mais. <laughs> surtout, mettons, vendeur automobile, ouais. mettons, là. Chars comme… chars usagers, ça, c'est le pire, le. Ah, ouais, t'es comme. tu sais, je comme, comprends pourquoi, du sens que. J'ai travaillé avec du monde que j'étais comme, tabarnak, là, je comprends pourquoi que ça a une réputation de même, ouais. mais tu sais, pas tous les valeurs sont de même. Puis moi, mais ce que j'aimais vraiment, c'est, mettons, la personne rentrait. Tu sais, c'était vraiment comme, OK, good, mais mon, mon, mon but, c'était juste d'y offrir le meilleur service possible au point mm -hmm. que même si, genre, elle ne veut pas acheter. Genre, éventuellement, justement, je me disais pas parce que chaque fois, exemple, que je me disais, OK, non, non, mais je veux qu'elle achète là, tu te mets une certaine pression indirecte, mettons. Mm -hmm. Puis là. Et sur le client. Exact. Puis sur le client aussi. Puis là, ne veut, veut pas, il ressent. Puis là, mais s'il n'achète pas, tu viens de scraper ta journée, tu vas, tu vas donner un service. Versus de dire, good, mais il ne va pas acheter d'emblée. Fait que quand ouais. qu il achète, tu comme, oh shit, il achète, t'sais. Mais ce que, mettons, pas j'aimais moins, mais dans tous les jobs, que ce soit été chez Bro, quand je vendais des télé, ou etc., ou des chars, c'était comme, bon, le tarif, là, mettons, le client, il te négocie. Mais là, toi, mettons, t'es payé au profit, par exemple. Fait que là, lui, il veut baisser le prix le plus possible. Ton boss, lui, il veut qu'il en reste le plus possible dans le char. Tout est pognant entre les deux. Mm -hmm. Fait que tu toujours, c'est quoi un peu le feeling de y en a un des deux qui va perdre dans le sens que soit mon boss sera pas content parce qu'on aurait pu en rentrer plus, ou soit le client, il va avoir. T'sais? Mais mettons, comme courtier pas ta cœur, c'est la première fois, mettons, que je. Puis j'ai réalisé que c'était tout en finance, c'était comme ça que tu pas de côté perdant de sens qu'exemple que toi tu viens me voir puis tu ton ouais. hypothèque de maison moi je fais affaire avec pratiquement tous les prêteurs fait que ce soit Desjardins, des jardins TD Scotia et mit. Fait que toi tu ben, ben, viens me voir puis tu comme écoute PC moi mais j'ai mon renouvellement à telle date euh, on va dire que tu toujours été avec des jardins par exemple puis là euh, tu tu vas, tu vas dire OK, good, mais à la place que toi, tu as mettons, avec tes dés, tu de faire d'abord, de genre banque en banque, puis de te faire dire, écoute, mais ça, suis tu sais, vraiment un bon deal, puis là, tu de, de perdre du temps, puis là, ben, ça se peut qu'ils te demandent des documents, des affaires, tu vas puis faire. Tu connais rien, by the way. Exact, des fois. exact. Oui. Puis tu, sais, tu sais pas vraiment, parce que. Généralement, tu une ou deux maisons dans ta vie, puis toi, tu en achètes 17 par semaine. Exact, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, mais c'est la différence. Puis là, tu sais, moi, mettons, ben, je vais. En... Tu comme il y, y, y a eu souvent des cas qui, en 15 minutes, là, le monde d'info, mais il avait passé des mois, c'est en train de négocier. Là, écoute, mais là, j'ai genre réussi à négocier telle affaire, bien, c'est comme moi, ouais, mais en 15 minutes, mettons qu'on a eu l'appel, mais il y a telle banque, il y a tel promo, puis ils payent, on dit le frais de notaire, puis, ça, 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 ça. Fait qu'on a eu la même affaire. Fait que c'est comme un peu un genre de banquier privé. Du sens qu'à la mm -hmm. place de commencer à gosser avec ça, tu m'appelles, mm -hmm. tu es comme Écoute, PC, je suis à mon renouvellement ou ben non, mais je veux machin, c'est ma maison. Qu'est-ce que tu as besoin ça 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 parfait puis là mettons, mais tu magasines tu reviens OK regarde, on va l'envoyer avec tel prêteur parce qu'il y a genre tel promo je te conseille un, un taux mettons, 3 ans ou 5 ans variable fixe en fonction de ce qui était plus confortable Puis tu es comme OK c'est beau tu sais puis là, après ça mettons qu'on t'envoie on va dire on t'envoie euh, des jardins tu as pris un terme 5 ans dans 4 et demi on se rappelle Hé, hey, là tu sais quoi c'est TD qui l'a tu sais fait que tu n'as plus besoin de oh ouais. de te casser à la tête puis c'est Mettons, c'est pas toi qui me paye, tu sais. Ça, ça, te plaît. ça Moi, Comment que, tu ouais. fais ton argent? Ça. Comment, ça, si, parce ça. Si on te paye pas, tout sort ton. C'est ça. Prix? Exact. Mettons, comme tout dépendamment des prêteurs, ils vont venir payer entre 0.7 et 1.2 du prêt hypothécaire, mettons. OK. Fait que eux, de la manière qu'ils vont fonctionner, c'est que t'es payé au volume. Fait que tu sais, c'est pour ça que, que des fois, le monde, quand, ah, quand genre, qu ils ouais. disent Ah ouais, mais là, je vais avoir un plus haut taux, je passe par un courtier parce que tu te prends une cut, c'est complètement faux parce que même que. Tu sais, c'est pas toujours vrai. tu sais. Puis, tu sais, on n'a pas le droit nécessairement de dire ça. Du sens que. C'est pas, pas, pas parce que techniquement, tu fais du plus gros volume, mettons, que tu vas avoir des meilleurs taux. Mais, tu sais, ça arrive qu'on a des discrétionnaires parfois, pas tout le temps. Mais, tu sais, OK, garde, mais là, mettons, je sais pas, je dis ça C'est sûr que si nous autres, on fait 50 millions avec un prêteur, toute une hypothèque de 400 000, la personne qui en fait 50 millions. tu sais, Puis, il y a pas de back and forth. Du sens que même nous autres, mettons, mais ben, les banques sont comme, hey, ben voici ça, genre, c'est les taux planchers. Mm -hmm. Fait que, tu sais, nous autres, mettons, genre, tu m'appelles, tu dis, OK, bon, ben, mettons, t'aider ça, ben, c'est le taux plancher. Scotia, c'est à l'affaire. Fait que, tu pas de, 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 de game à jouer, mettons, avec, on va dire, tu sais, un genre de conseiller. Puis le pire, c'est que ça nous est déjà arrivé, qu'il y a eu des conseillers, mettons, qui ont fait un bon travail. Là, mais le, ils m'appellent, ils sont comme PC. Je suis comme, écoute, le taux qui t'a donné, c'est fucking bon. Ouais, bon, mais je fais pas confiance. T'sais, juste comme parce que c'est une banque, mettons. Mmh. Fait que le, le, le monde, ils n'ont pas nécessairement l'impression qu'ils peuvent être autant transparents. d'un fois, le monde va ah ouais, mais une banque, c'est des crosseurs, ils me chargent des frais, si, ça, ça. Puis, ça arrive que je suis comme honnêtement, ce qui t'offre, c'est bon, puis reste avec eux autres. Tu comprends ce que je veux dire? Mais à l'inverse, mettons, pour des renouvellements puis il y a d'autres prêteurs que le monde, mais s'ils n'ont ben, pas accès, exemple, des prêteurs virtuels. sais ouais. si on connaît moins ça, genre Tangerine, mmh. First National, MCAP. Mais ben, ce que le monde ne sait pas, c'est que s'ils achètent, mettons, avec moins de 20 ou qu'ils renouvellent, ben, fois, ben, ils offrent des, des taux vraiment plus agressif parce qu'exemple que ton prêt ben, il est assuré, ils prennent moins de risques. Fait puis eux mais ben, ils ont moins de staff, ils ont pas de succursale, ils ont pas rien, fait que tu des meilleurs taux mais tu sais toi ça tu peux pas savoir ça puis mettons que tu es avec une banque, ben, ils iront pas dire "Hey, tu connais -tu ça des prêteurs virtuels?" <laughs> prends ton hypothèque puis aller avec les autres. Mais <laughs> ben non, ils diront pas ça, t'sais. fait toi ta job dans le fond c'est t'es un agent d'hypothèque. En fait, ouais, c'est plus ça. Si on met ton on, ouais, on, on fait ouais, une caricature, ouais, tu là. round des up c'est carrément ça. Puis c'est pour ça que je t'ai dit que c'est cool parce que tu sais moi après ça maintenant je prends maintenant ton dossier. Puis exemple, moi je sais ce que la banque va me poser. Fait qu'exemple justement que ton revenu, mettons, il y a des variations puis tout. Je suis comme hey, tu sais, pourquoi que ton revenu, genre l'an passé, ben, c'était plus fait. ok, c'est pour ça, ça, ça. Fait que sais, un peu comme c'est con à dire. C'est un peu comme un avocat. Tu sais, du sens que ou mettons un fiscaliste. Ouais. Tu sais, du sens que tu te représentes pas en cours tout seul là. Tu comprends tu? Oui, tu pourrais, mais tu le fais pas. Mm -hmm. Tu comprends tu? Ouais. Fait que c'est un peu la même chose. Mais lui, il sait. Ok, good, garde. Mais si on s'en va en cours, là, on sait qu'on va se faire. Tu ça, 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 ça c'est pourquoi. Fait que tu te prépares puis quand tu présentes genre le dossier, es comme OK, fait que là, mettons que la banque, à comme, ouais, oh, mais là, PC, écoute, on voit que l'an passé, mais il a fait moins. Pourquoi? Ah, ben là, c'est ben à cause qu'il est nan, en nan, congé nan. de paternité ou c'est parce qu'il n'a a, 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 a pas travaillé parce qu'il est qu parti à BAM, fait six, quatre mois de temps. Tu sais, fait que tu sais déjà quoi dire versus que, comme, tu sais, peut-être que, genre, toi, tu seul, t'es présenté à la banque, Défendes tu vas genre, seul, tu puis... vas genre te défendre, tu vas être stressé, tu vas mentir, puis ça puis sais va faire si Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, dans la douche, ouais. que je leur parle aux banques. Ah, oui, oui. Mm -hmm. Ouh, que moi, dans la douche, ah oui, la banque, je leur dis, dans le bureau. Assis. <laughs> moi je sais pas, ah là, là je suis pas à l'aise, ils ont raison puis je pas Exact, puis même mettons moi qui est là-dedans, genre je rentre à ma banque des fois puis t'es es comme ah que c'est intimidant, t'sais. tu sais, tu rentres là, puis tu sais c'est comme Ah, oh, et puis tu sais le monde c'est tout genre ah, moi il y a pas ça dans ma banque, moi c'est ouais, c'est des... vrai que moi non plus il y a pas ça. C'est du vieux <laughs> moi puis, moi c'est de point? la céramique, C'est de la petite céramique. À quel, à quel point je me fais crosser là avec <rire> <rire> Je <rire> pense que j'ai inventé j'ai inventé une <laughs> un banquier privé quelque chose de spécial. T'as-tu <laughs> la centurion d'American Express? Je le sais pas, même j'étais avec Modulo encore. Qu'est-ce <laughs> que tu fais? Il t'apporte. Okay, oh bon, je mange des moules. Ben malade. oui, c'est ça, il t'apporte du caviar. Mais, 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 mais moi, moi j'ai. je veux savoir, PC, parce que je veux euh, Attends, OK, parce que. OK, OK, comment dire? On va le voir. Tu viens de la vente. Ouais. Tu disais, tu as travaillé chez Broo et Martino. Ouais. tas toujours eu une Est-ce que ton parcours, c'est ça? C'est Broo et Martino? Tu as travaillé Il y a pour. J'ai commencé, commencé, Buy. Buy, ouais. commencé chez Best Buy. Parce que, fait, en, en fait, moi, j'étais au cégep, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Ouais. J'avais été en informatique parce que mon père était en informatique, puis moi, plus jeune, j'étais un gamer. Okay. Puis je voulais être un programmeur. Je, je voulais coder des affaires parce que quand j'étais plus jeune, moi, je jouais à World of Warcraft. Genre, cinq yeah. ans de ma vie disparu. Genre, littéralement, je voulais être le meilleur. suis toujours été quelqu'un de super obsessif dans la vie. C'est comme quand que je commence de quoi, faut que je sois le meilleur. Comme... T'as-tu fait des sports euh, quand t'étais jeune? Non, moi, j'ai commencé à m'entraîner à 17 ans, j'avais jamais fait de sport. Moi, je suis le genre de gars qu'à l'école, je courais 400 mètres, je vais au mystère. T'avais le billet du médecin, là. Genre, mais, mais, mais sans le billet, du sens que moi, c'était comme. On t'envoyait chez ça. le médecin. Ouais, c'est ça. <laughs> ça, exactement. C'est ça, c'est <laughs> okay, ça. Moi, on me voyait vomir à la fin du cours, je suis comme, calé, j'ai encore les oreilles qui s'y <laughs> ouais, Ah ouais, ouais, ouais. Fait que tu sais, fait après ça, quand, 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 mettons que je suis rentré au cégep, je savais pas trop quoi faire. Puis quand j'ai commencé mon cours d'informatique, je lui ai demandé à un de mes profs à un moment je fais Ok, mais à, à, après combien de temps qu'on fait du code? J'ai dit Ah, ça, c'est genre dans la troisième année, même que. Tu... Là, man, trois de... ans à ouais. faire des cours de base puis tout. Je fais C'est sûr je m'accroche mm -hmm. Fait que là, finalement, je savais pas quoi faire. Fait que j'ai lâché ça. Mais vu que je venais de perdre une session complète, je suis allé après ça en comptabilité. J'étais comme crime peut-être. Tu sais, parce que. J'ai, ma seule Il matière. Il n'en manque jamais des comptables. Hein? Il manque jamais Non, c'est ça. Puis la seule matière que j'étais bon à l'école, c'était les mathématiques. J'ai tu toute ma vie, j'ai rushé en français, en toutes les matières, mais mathématiques, j'étais bon. Puis j'étais comme, tu sais, vu que je suis bon en maths, peut-être que je pourrais aller faire ça, mais je me suis dit, je vais prendre un cours en accéléré parce que je viens de perdre une session. Je veux pas ah, perdre de ouais. temps. Fait que t'arrêtais jamais l'été, l'hiver. J'ai fait, je pense, deux sessions. J'avais des bonnes notes, mais honnêtement, je sortais des plate. cours, j'étais vert, je filais pas, j'étais comme. Honnêtement, je ne peux pas faire ça de ma vie. Ouais. Fait que là, j'étais comme, je fais quoi? Puis là, un, un moment donné, j'ai un de mes qui m'a appelé, il m'a dit, pis écoute, lui, il était dans la constru une construction. Il c'est métier, ça a l'air que ce n'est pas nécessairement de la construction, là. Et un installateur de piscine. OK. Puis lui, il travaillait pour quelqu'un, puis il avait son équipe, toute l'équipe, puis il était comme, tu sais, t'es quelqu'un de travaillant. Je suis comme, t'es quelqu'un travaillant, en fine, tu sais, je suis zéro <laughs> manuel, man. <même. rire> fais que je suis comme, mais tu sais pas trop ce que je vais faire dans la vie, go, on le fait, puis j'avais commencé à, à, à m'entraîner au gym, tu sais. Fait que je suis comme parfait, on va commencer ça. J'ai fait ça une saison, écoute, j'ai haï ça. Le dit, gym? Ça. Non, non, non. Installer, ah, des, 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 Installer piscines. des piscines hors terre, c'était C'est vraiment du Ah oh, ouais, tu sais, comme c'est sous... En tout cas, à moins que je vraiment pas manuel, mais comme. C'était vraiment de la cochonnerie, Ah ouais. oh, Puis en plus, c'est que, tu sais, moi, je n'avais jamais été dans la construction, pis tout. Puis il y avait un des. Mettons, il y avait un chef d'équipe, mettons, pis le boss de l'équipe, il était toujours là, avec nous autres. Puis c'était un gars typique de la construction, mais comme. Il me veut arriver, là, il savait que j'avais pas de profil, j'avais je pas la confiance non plus. Là. Ça n'a pas pris 15 minutes. Première brouette de roche tu sais, que je remplis. Je prends la brouette. Tac, calisse le camp. J'en vais dans le parking du client. <laughs> tu l'entends juste gueuler en arrière. Ah, oh, c'est de loser, man. prends tes affaires, calisse ton camp. Non. Le moi, comme. Ok. Puis là, à ce moment-là, par contre, tu sais parce que maintenant. Qui était fin. Quand, euh, quand tu connais la construction, là, c'est une belle journée. Ah, euh, ouais. Ouais, fait que là, j'étais comme là, mais à ce moment parce que plus jeune, maintenant, mais j'ai fait beaucoup de projets que j'ai abandonnés, tu sais. Puis tout, j'avais voulu partir un serveur privé, puis tout. Pis j'ai beaucoup d'idées. Puis j'ai souvent abandonné. Plus là, j'étais comme là, t'as lâché l'école, Mais là, j'étais comme là, parce que j'étais quand j'ai lâché l'école, maintenant, je savais que mes parents, surtout ma mère, étaient très déçus. Tu mm -hmm. mais vraiment, comme quand que je suis arrivé à la table, je leur ai annoncé, là, je chantais à déception, puis comme c'était comme. T'sais, elle me l'a pas dit, mais c'était comme tu vas être un raté, mettons. Tu sais, pis. Plus non, non, non sens, exact, a, exact, Dans le ton, ton. Dans le ton puis ça se sent. Pis moi, moi j'étais comme, genre, môme, s'il faut que j'aille trois jobs, ben, avoir trois jobs, mais ben, je manquerai pas d'argent, pis tout dans la vie, pis comme, genre. C'est con, mais j'aime les belles choses, pis si pis ça, pis je vais toujours me débrouiller, peu importe ce qu'il faut que je fasse. Fait que là, à ce ah. moment-là, c'était je vais aller poser des piscines. T'sais, on te payé à 75$ la piscine, on peut en monter 3-4 par jour. 75$ la piscine? Ouais, 75$ la piscine. C'est pas time, ça. Non, non, mais quand t'as 17-18 ans, t'es comme tabarnak, je suis temps. riche, moi. Ouais, temps. Ouais, exact. Ouais, exact que moi, dans ce temps-là, j'étais personnage de Nouvelle-France. <laughs> <fait que>, euh... <laughs> C'est mieux, ça, quand même. Ouais. <laughs> Non, non, non. C'est vraiment grave. C'est ouais, vraiment, vraiment humiliant être un personnage de Nouvelle-France. Fait que je sais pas euh, oh ouais. ton échelle de valeur après ça, mais il ouais. pas payant. Ouais. Fait que tu vends des piscines. Fait que fait là, tu, fait tu fait que là la fameuse shot que la bourrette tombe dans ma tête, je me rappelle, j'ai un moment que je le regarde m'envoyer chien. Puis je vois les clients dans la fenêtre qui comme ils se demandent ce qui se passe parce qu'il y a quelqu'un qui gueule Oui, mais ça, c'est peut-être pas très professionnel de la part de ton chef d'équipe de gueuler devant une clients. Non, c'était genre le boss du chef d'équipe, mais ça, c'est ça, mais en construction, c'est ça, tu sais, c'est. T'es pas content de votre amélaine. Oui, moi je suis là, puis là, je suis comme qu'est-ce que je fais. Est-ce que je prends mes affaires puis je collège mon camp? Ou ben non, j'y montre que je suis capable. Puis pour la première fois de ma vie, pour vrai, genre, c'est ma première aussi. Je suis comme tu sais -tu quoi, tu vas endurer cette merde-là. Parce que, tu sais, je trouve que mettons les. Les jeunes, ben à ce moment-là, je dis jeune, je suis encore jeune, mais tu sais, au moment justement que tu as 17, 18 ans, des fois, tu as l'impression que tout est dû dans la vie. Mm -hmm. Puis là, j'étais comme, soit que je fais comme tout le monde, mettons, puis je fais ma princesse, puis comme, oh, il... On me dit que j'étais pas bon, je crisse mon camp, je broie, je vais chez nous. Mais moi, je le savais que chez nous, ma mère, elle attendait juste que je rentre et que je lui dise que j'ai détestais ma job, tu comprends? Uh, ouais. Fait que là, là je fais non, 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 mais tu vas rester. le soir, je rentre chez nous, maman. Puis c'était comment? Puis tout, ah, oh, c'était nice. C'était nice. <laughs> <laughs> oh, non, mais le rapport des gars, c'est le fun. Oh, c'est cool. Là, ouais. Moi, je me couche, j'ai juste le goût de broyer dans ma tête. Puis tout, puis finalement. Une couple de jours passe puis une couple de semaines, puis comme de fait, ça continue. que tu genre, mais pourquoi tu t'en vas pas chez vous, puis t'es un des peu que j'ai vu ever, puis blablabla. Mais tranquillement... <laughs> bon, pas boss, oh, boss vraiment. leader oh, d'équipe. C'est vrai vraiment. ça, c'est ils voulait te casser ou... Euh... Je, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, mais même moi, un certain moment, je suis comme, fuck. Mais ça m'a tellement motivé à comme devenir bon. Tu sais, pour ce con que ça paraît... Il y avait un genre de rouleau de 300 livres là, ouais. que presque tout le monde prenait tout seul. Mais moi, j'étais incapable de même pas le lever d'un pied de terre, mais à la fin de la saison, j'étais capable de le prendre comme tout seul, puis tout la... Puis à la fin de la saison, on est allé chez eux puis on prenait une bière puis il était comme honnêtement PC t'es tu es celui j'ai le moins cru en, en lui, puis t'es celui qui me le plus épaté là. il dit honnêtement, il j'aimerais ça que tu reviennes comme l'an prochain puis comme es vraiment puis j'ai fait genre holy shit. Tu sais comme tu vois comment que, comme, tu t'es écouté au début, non? Puis là, check ce qui s'est passé, ça a complètement viré de bord. Puis c'est comme à partir de ce moment-là, j'étais comme, OK, mais si t'as fait ça qui était de la petite cochonnerie, tu peux faire n'importe quoi, ouais. quoi. Puis à partir de ce moment-là, j'étais comme, OK, good. Mais du jour au lendemain, on, on est rentré, puis j'ai fait OK, les boys, en septembre, début septembre, c'est fini. Mais là, en plus de ça, moi, c'est la première fois que je gagnais des sous. Mettons vraiment, tu sais, 300$ fois par jour, j'étais comme tabarnak. Ouais. Fait que mes chevaux, flobais tout, là, on, <laughs> Genre, typique, tu typique, sais, comme. Parce que mettons, en ce moment, on a quand même beaucoup de gars de construction. je lui demande des fois, mais tu gagnes combien? Ah, oh, j'ai aucune idée. Moi, il rentre euh, 1500 à 7 semaines net. Puis je dépense, là. Puis là, je suis comme, t'as aucune idée, tu fais combien. Mais avec du recul, je suis comme, Chris, j'étais identique. J'étais identique. J'étais identique. Six mois. <laughs> <laughs> tu sais, c'était comme, il rend ça, par on a ça. Good. On oh, flop oui, ouais, oui, ai oui, ça. Oui, oui. Puis. Je te commande, mais je vais faire quoi là Puis là, il me dit ah, tu sais, mais je te verrai en vente, puis tout. Je suis comme moi en vente. j'ai pas, euh, j ai, j ai pas de pouvoir magique là, tu sais. Mais ça, m'en vendre, faut que tu sois bon pour mais genre. T'as jamais fait de théâtre T'as jamais rien fait de tout ça Jamais parce puis que moi... tu es bon en exposé euh, oraux. J'étais, à chier, parce que moi, mettons, oh, plus ouais. jeune, vraiment jeune, je bégayais. J'étais pas capable de placer une phrase. Hein? Fait que j'étais hyper complexé. Moi, maintenant à l'école, j'étais super, super gêné. Pour le secondaire, je me faisais beaucoup niaiser parce que j'étais un gamer. Fait que j'avais pas de, vraiment d'amis beaucoup. T'avais fait blonde? Hein? Jamais. J'ai eu ma première blonde, je pense que j'avais 18 ans. OK. Oh ouais. yeah! Ouais. On est deux. Ouais, <laughs> ouais, 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 ouais. Puis tu sais, tu fait, fait, sais, je parlais pas à l'école. <laughs> Non, mais c'est con, mais tu sais, comme au secondaire, maintenant tu commences à te poser des questions, tu te dis que tout le monde a des blondes, pas toi. Les filles viennent te parler parce qu'ils veulent parler à tes chums de gars. T'étais-tu le meilleur ami Je me rendais pas là parce que je voulais pas l'accepter, maintenant. Ok, Comme je brise le lien, je suis comme non, non, écoute-moi. Genre, je serais pas ton ami, là. Tu veux dire, c'est comme. Ça marchera pas. t'étais-tu. Comment dire T'étais-tu t'étais-tu quand même impliqué dans des affaires genre jeune entrepreneur tout ça ou rien. Pas? rien rien moi je faisais moi j'étais je... dans World of Warcraft j'haïssais l'école moi c'était comme c'était un supplice parce que Genre, le, mettons un exemple, les pauses, j'avais hâte qu'ils finissent, là, parce que genre, je me faisais niaiser ou genre whatever, ah, ça, je me faisais ah, ouais, pousser d'un C'est une question d'intimidation. Secondaire, ouais. J'ai les Fait que t'es habitué sur TikTok. <laughs> ouais, tu sais, <laughs> comme sur TikTok, ce qui est vraiment surprenant, on n'a pas tant de monde qui nous aime pas. On n'a pas tant de commentaires mm -hmm. négatifs. Puis des fois, mettons, je check des vidéos du monde, je suis comme, tu sais, c'est correct qu'il faut que tu t'en foutes, mais des fois, je vois des affaires, je suis comme. C'est rough, là. Ouais. C'est rough. Fait que je pense qu'au secondaire, mettons, ce, que, ce qui a développé peut-être ma personnalité qui a fait en sorte que je suis devenu peut-être bon avec le public, justement, type ben, typique de cash rentrant en vente, j'ai toujours performé. C'est le fait que j'analysais tout le, Genre, je disais jamais un mot, mais j'étais comme OK, good. Pourquoi lui il est cool? Pourquoi lui il se fait niaiser? Pourquoi lui qui dit une joke pour niaiser lui? J'analysais beaucoup le monde pour essayer de comprendre les différents profils. Puis avec le temps, mettons, je commençais. Tu sais, comme il y a genre des livres d'infos qui disent euh, que tu as, mettons, 8 Type de personnalité. Je ne sais pas si y en huit, mais c'est vrai que des fois, juste un ton de voix, de, de genre une personne, tu comme Ah, oh, ça, ça me fait penser à tel genre de personnalité, sûrement que c'est plus tel genre de personne. Ou tu sais, même le meilleur exemple que j'ai, tu comme Ok, good, mais lui, ça, c'est un ingénieur, il crée, c'est sûr que c'est un analytique. Tu sais, mm -hmm. fait pas, mettons, automatique, c'est ça, mais tu es comme ça, ça laisse croire. Exact, ça laisse croire, tu comme Ok. Fait que je suis d'accord qu'il y a des certains traits de personnalité qui font en sorte Ok, ça, c'est plus cette personne, ça, c'est plus cette personne. Fait après ça, je pense que quand je suis arrivé justement, en vente parce que là, finalement un coup qui me dit tu devrais aller en vente puis là mon père moi, il voulait me faire rentrer à la banque nationale parce qu'il travaillait là il s'occupait du département de sécurité euh, informatique là-bas je pense je me rappelle bien puis de la, la banque nationale Ah oh, yes yeah, fait qu'il y a des opinions sur des jardins sûrement euh, Pourrait pas tant parce que mon non? père justement c'est un, un geek tu sais du sens que oh, pour ouais. lui il était pas en finance il était hein? en informatique Je comprends fait que c'était pas la même affaire puis mais moi j'étais comme man je veux pas aller mettons, Casey whatever, ouais, ouais. ou whatever tu sais tant ou être assis derrière un bureau fait j'étais comme puis j'avais été posté chez Best Buy mais comme commis genre pour placer du stock mais quand je suis arrivé là bas j'ai dit écoute parce qu'ils m'ont rappelé j'ai dit garde on peut faire de quoi mais moi si tu m'engages, faut que je sois vendeur. Là tu pas d'expérience puis tout, je comme écoute, à 10 pièces et 15 dollars, minimum. essaye moi un mois, si ça marche pas, je m'en vais. » ce qui manque un bon vendeur. Exact, puis moi c mettons, c'était pourquoi mort. mettons bah, oui. que j'ai eu le gars de dire ça parce que comme je t'ai dit, c'est moi plus jeune, j'étais habitué de me faire dire T'es un pas bon, t'es un pas si... Mais il notre scolaires qui qui laisse ça. Fait que quand le monde disait mettons femme gueule », je fermais ma gueule. c'est comme mm -hmm. fuck, je suis un rapide. C'est drôle. il y a plein de gens qui vivent C'est un peu ce que tu vis à l'école, ça marche pas trop dans leur famille. Ben, dans leur euh, mais au leur milieu travail, du travail. Là, ils découvrent quelque chose. Là, ils se sentent bien, c'est cool. Ouais, parce que tu sais comme, tu sais ils disent que dans la vie, il faut pas dire qu'il y a de la, tu sais comme tout le monde travaille pour le succès qu'ils ont. Mais veut dire, j'ai quand même eu une portion de chance, dans le sens que tu sais, je suis tombé vite dans le bon domaine, dans le sens que je suis tombé vite avec le public. Mettons, parce que j'ai pris le game d'aller là-dedans, mmh. puis j'ai suivi ce qu'il me dit. Puis finalement, mettons, elle me dit, ok, c'est beau, mais je, je vais t'essayer comme mettons vendeur. Mais pourquoi que j'ai dit ça? c'est que dans ma tête, c'est comme tu viens de prouver maintenant à quelqu'un qui t'envoyait chier que étais capable prouviser à elle aussi mettons que étais capable puis là au bout d'un mois tu étais comme voyons donc on n'a jamais vu quelqu'un comme aussi à l'aise puis tu sais moi je connaissais pas ça mais je connaissais les laptops quand même que bah, j'étais gamer mm -hmm. fait que le client il rentrait puis il était comme ah je cherche me cherche comme un ordi puis là, je suis comme good mais tu veux faire quoi puis tout ah ok mais je veux faire si je veux faire ça puis là le monde on avait des genres de formation mettons de vente tout le monde puis dans la était. puis formation c'était comme bon là quand que le client rentre faut que tu le salues là quand que tu le salues <laughs> faut que tu fasses wow. la, la, la genre de prise de besoin. Mais là, j'étais comme, Chris, on est étudie des, des sans-dessins. Il me semble <laughs> c'est un humain, un autre humain. Ben hey, oui. Ça va, good, parfait, on s'est salués. C'est un peu comme tu te fais un ami. tu sais. Après ça, c'est là que j'ai catché, OK, mais tout le monde n'a pas nécessairement cette facilité-là. Puis avec le temps, c'est là que j'ai commencé à comprendre que, comme, OK, tu es naturellement, mettons, meilleur que les autres pour, mettons, te faire un ami. Mm -hmm. Puis là, c'est là, tu sais, j'ai passé, passé, mettons, Future Shop, là, j'ai trouvé ça super dur parce que, tu sais, je t'ai payé juste 10 et 15, mettons, mm -hmm. chez, chez Best Buy, mais t'es payé à l'heure, la paye à rent, à toutes les semaines. Puis un moment j'avais entendu parler que le meilleur vendeur chez Best Buy, t'as payé 14 pièces l'heure Puis elle, elle venait me voir, puis était comme, t'étais... T'es genre un jouer au genre Canada, pis c'est pis ça, pis je suis comme beau de merde. Canada? Ouais, mais là, j'étais comme beau de merde parce qu'elle veut pas que je parte, c'est une job à 10 et 15, je suis pour <laughs> chez McDo, je suis autant là. Fait qu'elle me valorise, ça me dit que je suis bon pis tout Mais à un donné, elle, elle me sort les chiffres, pis elle me les montre, je suis comme ok, God tu sais, c'est vrai, là. Fait que là, moi, je. T'as ben, une je commission à Best Buy Aucune commission à Best Buy j'ai ah, ça, une ah, ça. J'ai T'as été chez Future Shop. Ben ouais, parce que moi, maintenant J'ai fait à Best Buy aussi, t'es tranquille. Ah! C'est ça, exact, exact. Ah oui, c'est vrai que le service C'est est... ça, c'est de commission. Ça. Mais comme même moi mettons genre je, je m'en vais parce que tu sais comme des fois je te mets le monde tu comme ouais, oh, mais du monde mais qui sont à la commission, tu sais ces roquin puis veulent te vendre. Mais moi mais quand que je rentre chez Best Buy, j'ai ça, il n'y a pas un crise de d'achat qui s'en vient me voir, je suis comme je suis ici pour une raison. tu sais comme j'imagine ouais. qu'il y en a qui vont magasiner pour magasiner, mais quand moi mettons je m'en vais à quelque part, c'est que je veux tu sais c'est que je veux acheter quelque chose mm -hmm. mettons tu sais. Fait justement mettons des places comme Future Shop, tu comme tu rentres, tu sais qu'il y aura quelqu'un qui, qui veut t'aider, ouais. tu sais au moins. Fait que ça là, autant qu'il y en a du monde qui voit ça négativement que moi je voyais ça positivement. Mais oui, anyway, fait que là. Ou puis je choisis la sueur sale. C'est ça, Moi je exact. Vois chez Best Buy si tu veux être tranquille. Va chez Photoshop si tu veux avoir Farès qui est du quelque chose. C'est ça, exact. C'est souvent Farès. Farès, ça veut dire ah, quoi C'est Farès. ça, Faraise? Faraise? ça un gars. Ouais. Le, 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 le vendeur type de Future Shop de Thomas. Ah ouais, Farès. Parfait, okay. <laughs> <laughs> <Ça> <tellement. rire> Continue de même. Ouais, fait que là, finalement, mais quand <laughs> j'ai demandé 14$ d'or elle m'a dit non. Fait que là, je suis comme, moi, je suis sûr qu'elle va finir par me le donner parce qu'elle dit que je suis meilleur vendeur puis tout. Fait que là, je dis, non, écoute. Toi, t'es une aubaine à ce moment-là. C'est ça. Heureux. Exact. Fait que là, moi, je dis, garde, mais si tu me le donnes pas, je m'en vais Elle dit, good, mais je peux je pourrais, je pourrais, je pourrais t'augmenter de 50 cents dollars Wow! J'ai pris mes affaires, je suis parti. Fait que mais là, là, là je suis allé chez Future Et Mais là, je me chenais un parce que. ben, Future Chat, Best Buy, c'était la même compagnie. Ouais. Fait que, tu sais, mais il avait entendu parler de moi et tout. Fait qu'il m'a engagé direct. Mais Future là, Shop a entendu parler de toi. Oui, parce qu'il y, y avait des meetings, tu sais, plus haut, c'était les mêmes personnes qui étaient dans les meetings, t'sais, fait que les gérants de sur C'est vrai. Ouais. C'était vrai que tu étais dans les top. Ben, c'est ça euh... que j'ai compris vraiment à ce moment-là. J'ai fait ok, c'était vrai que tu j'étais. Oh j'étais quand ouais. même performant. Je veux dire, il y en a des employés chez Best Buy, mais de rien. Oui, mais c'est parce que moi, mettons, ça n'avait même pas rapport avec l'argent. Je voulais juste montrer au monde que j'étais obsessivement ouais. mmh. je je suis devait, meilleur. Hein. Exactement. Mais un moment donné, justement, mais chez Best Buy, c'est tombé au point que j'étais rendu blasé, mettons. Fait que je m'en allais, mettons, me cacher dans les toilettes pendant une heure. Je suis comme, je pourrais chier une heure de temps. Je serais autant payé que l'autre qui est sur le plancher. Fait qu'il y a eu comme une perte de motivation. Puis dans ma tête, c'était comme, good, mais c'est parce que t'es payé 10 pièces Fait que là, j'étais comme, next step, commission. Mais là, mmh. moi, j'ai eu le malheur de commencer à compter ça à tous mes chums. Mais tous mes chums sont à l'école, mes parents ils ont toujours eu des salaires. Voyons donc la commission, si tu ne feras pas une scène, tu sais, des tu vas avoir des semaines que tu vas faire zéro. Là, moi, je quel la, gaffe que je viens de faire là. Ouais. Partir à la commission, <laughs> pas faire une scène. Mais là, tu sais, je rentre, puis j'ai rencontré justement c'est quelqu'un qui est devenu comme mon meilleur chum. Première journée que je rentre, c'est comme le, le top vendeur là-bas, il dit, check, check ça ici, l'argent que tu vas faire. C'était genre en deux semaines, je pense qu'il avait fait 3000 piastres même. Là, je suis comme euh. Il dit même tout le temps ici. Mais là, tout le monde est comme Ouais, mais Phil, tu sais, c'est Phil, c'est une classe à part pis tout. Mais là, moi, j'étais comme j'ai comme un target, là, tu sais. Ouais. C'est possible. Oui, ça, exact, mais c'était possible. Puis là, finalement, whoop, ça a commencé à bien aller direct. Puis là, je suis comme Mais un mané, ne veut, veut pas être payé à la commission, ça revient aussi à la même affaire. T'sais, en bout de ligne, tu sais à peu près combien par année tu vas faire, etc. Puis je me sentais comme j'avais raté ma vie à ce moment-là parce que j'étais comme vendeur, tu fais ça quand tu as raté ta vie. T'sais, tu t'en vas là-dedans comme <laughs> tout a pas marché. Ils ouais. veut veut pas, mais chez Future Shop, il y a beaucoup de jobs étudiants. Au moins exact. 50 du monde. Fait que moi, j'étais comme, moi, check, il y a genre du monde qui s'en va ingénieur, rester avocat, tout le kit, travailler part -time, toi, es là part-time. Puis tout, es, est là, t'es es là tout le temps. Fait que j'avais vraiment. Même si à ce moment-là, maintenant je faisais 60 000, 65 000, tous mes chums étaient à l'école, fait que je gagnais plus qu'eux autres. J'étais comme, sais, tu fais peut-être plus, plus d'argent que tes chums. Là. Mais tu sais, eux autres... Ouais. Ils ont genre une carrière, ils ont réussi dans la vie où ils vont réussir ou ils ont quand même un Tu Exactement. J'étais comme si toi, t'as pas vraiment de goal, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, etc. Un moment donné, mais il y avait quelqu'un qui, qui était venu, c'est un client mystère qui travaillait chez Bro Martineau, c'est un directeur régional, genre de chez Bro Martino. Puis il était venu acheter comme un laptop. Il m'a dit écoute, il dit si jamais tu te cherches un job, il dit je t'engage demain matin, il dit, il dit le service que tu m'as donné, c'est vraiment incroyable, c'est ça, ça ben... Juste avant. Ouais. C'est quoi donner un bon service selon toi? Tous des ouais, conseils pour un ça. bon vendeur. C'est de pas. Maintenant, puis c'est ça, c'est justement c'est plus chez Bro que je l'ai appris. Parce que même à ce moment là, c'est comme chez Future Shop, puis même chez Best Buy, mais surtout chez Future Shop, j'étais craqué. Puis ça, mettons, pourquoi? <laughs> Comment ça se manifeste? Ouais. Ouais. Hein? Ben, ça se manifeste, genre, je réalisais que, mettons, je rentrais, je travaillais pas fort, je pouvais être hangover, tac, 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 au moins, vraiment, quand j'étais sur le plancher, je faisais deux, trois ventes, ma journée était faite. Fait que je rentrais plus tard, je partais en avant, j'étais ah, comme... Ah, mais le, les clients, ça rend pas compte. Cris... Non, les clients, non, les boss s'encrissaient, mais les autres employés, ils trouvaient ça chiant parce que les boss, tu sais, j'ai quand même eu, tu sais, c'est con à dire, mais tout le, le côté, mettons, je trouve que dans la vie, mettons, un peu importe ce que tu fais, que tu ailles sur une date, que t'es si right? hey, hey. tu, tu vas, right Puis moi j'étais comme genre tu vas, vas rien me dire pourquoi Parce que je, quand je suis là maintenant, les chiffres sont là. Puis mm -hmm. c'est pour ça que je te dis c'était un côté mettons, coquille qu'à ce moment-là, tu sais, justement j'avais peut-être genre 19 ans, j'étais comme bon. Puis euh, après ça maintenant c'est chez Bro vraiment que j'ai réalisé le service c'est quoi. Parce que quand je suis rentré chez Bro, c'est là que je, que je venais au service. Il y avait du monde qui faisait 140 000 par année. Tu sais, mettons, chez Future Shop, là, ça arrêtait à 60 65 c'était pas mal le top. Mais chez Bro, il y avait du monde qui faisait 140 000 par année, ça faisait 20 ans qu'il était là. Christ, depuis les années, à 95 oh, qui ouais. était là. Puis là, je suis comme OK, ça ici, c'est différent. Pourquoi? Parce que tu n'avais qu'il faisait 20-30 000, c'est vrai. Parce qu'il y avait, mettons, comme moi, mettons, ben, suis ben, dans le département d'électronique. Fait que tu vendais de télé, cinéma, maison. Mais c'était ce qui était la, la plus grosse jungle. Pourquoi? Tu avais du monde dans le même département qui faisait 100 qui, qui faisait 30. D'autres, ils faisaient 140. Mais dans le restant du magasin, maintenant tu vendais des meubles, maintenant un moyen faisait 50, un bon faisait 80. Right? Fait mm -hmm. les... okay. En électroménager, maintenant un moyen faisait 60, un bon pouvait faire jusqu'à 90. Fait que tout le monde voulait aller plus vendre des électroménagers parce qu'ils préféraient faire moins, mais que ça soit plus stable. Puis moi, j'étais comme, moi, je vais aller mettre dans les télé cinéma, maison. Parce que genre, j'étais comme, mais je vais performer, puis ça me donner un challenge. Puis à ce moment-là, j'ai réalisé que quand je que rentrais à In over les vieux qui faisaient 20 ans ils sont là, ne sont pas In over les autres, là, le samedi matin, là, sont sharp, mais. C'était des rats, il, il, parce qu'ils étaient contents que je swing over. Ils étaient quand même PC, continue à faire le party de même. même. C'est vrai? Moi, je te jure, man, je capotais. J'étais comme, OK, c'est vrai, ici, Mais ça, fait, ça, on le vit des fois dans les clubs. Ouais. Ben, oui. On le voit, les jeunes qui ont beaucoup, beaucoup de talent, mais qui sont dans le même coke. Ben, ah, oui. oh, on on ouais. est très heureux. Vas-y, hey, va vas vas faire un 10 minutes, oh, euh, ouais. un tout croche. Je te jure, je capotais. J'étais comme, ben, oh, man, oui. ils sont de même. Puis là, pire que ça, tu te virais de bord, des fois puis il parlait à ton client. <laughs> Puis là, t'étais comme Ah, oh, oh, non, non, mais je l'avais déjà rencontré avant. Fuck you. Ah, oh, ouais. Ah, oh, <laughs> ouais. oh, ouais. c'est vraiment des. Ah, des... oh, oh, ouais. Puis tu n'avais, mais qui disait rien. Mais moi, j'étais shark. Non, non, écoute, va-t'en. Tu sais, comment tu fais Merci, euh, merci, mais, Jusselin, Tu t'en vas maintenant. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, ouais. Puis justement, comme à ce moment-là, ah, j'ai. vécu une fois, acheté un meuble. Je suis avec mon vendeur. Oh ouais. mon vendeur qui... Hey, salut, comment ça va? Il va bien! Il va bien, il va bien, merci. il est parti, je comprenais pas tout ce qui s'est passé. C'est tellement il malaisant ça. pour le client, là. Mais ben oui. comme genre tu sens tout ce qui se passe là. ne ah, sais pas ce qui se passe. Je passe. Oh, non. Non. Non, pas moi. moi récemment, j'ai acheté un lave-vaisselle, Puis le monsieur m'a raconté que sa mère avait une opération dans un pays puis tout ça. Puis là, je sais pas. C'était Ben. Hum. Hein? <laughs> ben oui! <laughs> ben oui! C'était pas long, Ben oui! <rire> ben, <rire> ben oui! Ben oui! Il il fait fait, non, mais. Ben oui! <laughs> non, mais, mais c'est vrai que j'ai senti une pression indue de compétition. Puis le, le roulement, puis tout ça, il y a quelque chose que. Moi, en tant que client, ça me rend mal à l'aise. Mis de... à part pas être en de veille, c'est quoi donner un bon service? Ouais. C'est ça, exact. Fait que, à part ça, c'est. Pour... De un point, non, de vue. Mais ouais. c'est quand même des ouais. fois, il faut ouais. l'entendre. Ouais. Ouais. Ouais, parce que pour moi, mettons, c'était vraiment comme que la personne tu te fasses un ami tu essaies de te faire tu sais pas mettons, de fake mais tu vraiment d'être authentique ouais. mais d'essayer vraiment direction. de comme être ami le plus rapidement possible avec genre cette personne là tu sais puis d'être un humain il mm -hmm. y a pas puis la, la meilleure façon tu sais le plus que la personne va être à l'aise avec toi le plus que comme puis c'est vraiment une game mentale tu sais c'est pour ça que euh, il y a beaucoup de cours de vente ou même tu sais, des DEP de vente, etc., que moi je crois pas tant à ça. Du sens que, tu sais, c'est comme il donne une méthode, tu sais OK, garde mmh. là, là, mais faut que tu fasses ça. Mais c'est tellement pas méthodique la vente. C'est tellement, mettons. Du cas par cas. C'est du par c'est un vibe. Si, mettons, tu sens que c'est malaisant, c'est malaisant. C'est pas Je connais du monde, OK? Que, mettons, on va être à des places en tchou mettons, c'est fucking malaisant, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ou soit qu'ils s'en rendent compte, mais pour eux, c'est normal. Mais moi, j'ai c'est ma Exact. Mais comme moi, maintenant je suis hyper sensible à ça. Fait que, mettons, plus que tu vas. Tu sais, du sens que c'est correct, mettons que c'est malaisant. Mais moi, mettons, je dis OK, là, c'est malaisant c'est correct que ce soit malaisant puis juste le, le, le fait que tu t'en rends compte c'est déjà un, un peu moins malaisant C'est comme, OK good mais comment que je pourrais virer ça de bord? Essayer vraiment de comprendre où est-ce a le malaise ou mettons que la, que la personne est fermée, pourquoi qui est fermée? Tu sais puis pas d'avoir peur mettons de comme dire OK garde genre moi moi je m'en crisse, ça me semble que tu n'achètes pas. C'est d'être, mettons le plus que tu vas être humain. même. Je pense que c'est ça aussi qui se reflète c'est comme dans les vidéos, c'est l'authenticité. Ouais. Pis, fait que, tu mettons, moi, je lisais beaucoup de livres de croissance personnelle durant ça, parce que j'étais comme. Puis là, mettons, ben, j'ai carrément arrêté de boire. J'ai commencé à. Avec... Tu sais, je m'entraînais, mais je mangeais pas tant mieux. J'ai fait, non, non, mais je vais mieux manger. Pourquoi? Pour mieux dormir, pour avoir plus d'énergie. Puis pour... là, à ce moment-là, c'est vraiment devenu un hey, c'est une carrière. Là. Ah ouais, c'est ça, mais c'est ça. C'est ouais. que là, tu réorienté ta vie 100%. au complet. Je appel. Ouais, parce qu'à partir de ce. Parce que c'est con, là, mais je rentrais chez nous le soir, là, puis je là, puis mettons, je me prenais genre un bol de piment genre avec genre, de l'humus, là j'écoutais Kobe Bryant, mettons. Puis c'est toujours été <laughs> une grande <laughs> source de, mo de genre motivation pour ouais. moi. Puis j'étais comme, lui, c'est un fucké. Puis plus jeune, je me rappelle. Il est fucké. Oh, il oh, est oui. Oh, oh. oh. Non, ouais, mais pour comme... vrai, je pense que oui. Ouais. Puis t'sais, il se réveillait, Tu connais l'histoire ouais. qu'il était à 3h du ben matin. Oui. Puis, ben euh... oui. puis lui, c'était juste comme, je veux comme... mais c'était là à 3h, mais je vais être là à 2h30, je m'en crie. Oui, hum. puis il y a une affaire, moi, qui m'a toujours impressionné avec les histoires de Kobe, c'est comment... Tout le monde raconte qu'il il a jamais arrêté de faire les entraînements que tu fais quand tu commences Exactement. à jouer au basket. C'est ça. Parce que si tu n'es pas capable de maîtriser ouais, les fondamentaux, la base de la base, tu ne ouais. seras pas capable de maîtriser euh, l'extrême. mettons. Exact. Exact. Ah ouais, non, mais ça, c'est un... ah, fait, tu écoutais du Covid. Oui, parce que moi, mettons, plus jeune, justement, mais quand j'avais des projets ou genre des affaires, ou même, genre, mettons, que je commençais mettons, à. à plus mettons être avec un, avec un ami ou un certain groupe d'amis j'étais comme toujours avec eux autres ou mettons que je partais avec un pour un pour genre un projet c'était allé là dedans fait que le monde me disait souvent t'es pas capable de juste mettons faire de quoi de façon normale mm -hmm. puis moi j't... fait que j'étais complexé j'étais comme puis je me sentais obsédé je me faisais dire t'es T'es obsessif pis tout. Fait, quand je partais mais dans des idées, je suis comme OK, non, 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 mais je vais essayer de comme, me ramener. Fait comme quand que je suis tombé en vente, justement, puis là, à ce moment-là, justement, que je t'arrive, j'ai fait Non, non, là, là, tu as un choix à faire. Parce que tout le monde me disait ouais, wow, mais mec, tu vas virer, mais tu vas être bon. Je suis comme non, non, je peux réussir maintenant. maintenant. J'ai pas mmh. besoin d'avoir 30, 40 ans ou 50 ans pour mettons dire Ok, regarde, mais, mais t'es le meilleur Parce qu'il y en avait un qui, qui était connu à travers toutes les succursales encore, Il s'appelait Jean-Guy, c'était comme Jean. Puis là, tout le monde disait Jean-Guy, c'est Jean-Guy. Puis là, j'étais comme. Là, j'étais comme. Mais? Non, mais j'aime ça, le star système de bruit. Ouais, ouais, puis j'étais comme, fuck! Mais tu sais, c'était vraiment le gars, c'était genre une classe à part. Puis quand, une fois par année, mais il y avait même des ventes d'entrepôt, puis tu voulais aller là, c'était comme, il te choisissait, mettons, tu y allais, c'était comme le meilleur de comme, chaque genre succursale ou les deux meilleurs. C'était les, les All-Star. Ouais, exact. C'était le, le, le match des étoiles, Lebrouille-Martin. C'est ça, de Bruce ça. <laughs> fait que là. <laughs> oh, vrai, là. pas vrai, mais oh, Pis pas, oh, puis, puis, pas juste ça, c'était le zoo, là. le monde qui t'avait là-bas, là, là c'était comme, ça faisait aucun sens. cest vrai? Oh, genre oh. compétitif ah, genre, ben ça, puis les clients, là, ça se garochait. Pour elle, là, tu, tu faisais une paye d'un mois en deux jours. Hein? C'était fou. Ouais, C'était ah, vraiment ouais. débile. Là. Ouais. Puis la première fois qu'il est là-bas, jean guy était là. Puis jean guy était aussi en électronique. Ah, la première fois que je l'ai vu, j'étais je, je allé serrait la main. Hey, salut, ça va. Puis j'ai compris tout de suite. Je l'ai vu, je faisais confiance je dirais Je suis comme, c'est tellement un bon humain. Mais je suis comme, tu vois ce qu'il dégage. Genre, j'ai dit deux mots. Puis il me dirait, ça te prend ça. J'ai arraché ça. Mm -hmm. il y a même, fait que là, j'ai fait, tu vois, c'est ça. C'est ça de la vente. C'est pour ça qu'il est Kiki, c'est pas parce qu'il dit des affaires puis tout le monde était comme "Ouais, mais tu sais des fois lui, blablabla. » bla bla", bla. puis tout le monde disait sa propre version. puis Je suis comme non, ça n'a aucun crise de rapport. Puis c'est pas parce qu'il est plus chanceux parce que dans le domaine de la vente, mettons, il y a comme beaucoup de monde, mettons tu as comme un mot c'est des freebies. Freebies, c'est un client qui rentre puis dit moi écoute, je vais, je vais prendre le cinéma maison, la télé, je te prends tous tes câbles. Fait que c'est comme ouais, mais tu sais, puis nous autres moi puis Phil, jamais parce que Phil euh, il est allé chez Bro avant moi, puis je l'ai rejoint, qui, qui était mon meilleur chum. On était dans deux ma genre magasins différents. Mais justement, parce qu'on performait vraiment les deux, tout le monde disait hey, Si, genre, wow, Mais vous pognez tous les bons clients, puis blablabla. Bla, puis... Fait qu'on les nous autres, on était comme Ouais, wow, mais ben, tu sais, moi, puis Fils, parce qu'on pogne tous les bons clients. <laughs> mais lui, il se faisait dire C'est la même affaire. Mais quand j'ai rencontré, je fais. Puis on a parlé de ça. Puis j'ai fait C'est fou, hein, comment que comme ça n'a aucun rapport. Puis lui, justement, il lisait énormément de livres de, de psychologie, mais pas comme. Comment qu'on peut là On convertir des... quelqu'un non 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 mais tu sais vraiment comme comprendre tu sais comme les agissements mettons humains, etc comment qu'on pense etc comprendre soi-même exactement fait que ça me vraiment 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 motive puis c'est là que justement quand mettons que j'écoutais des affaires comme des Kobe Bryant etc puis j'ai autant que mettons je sais pas si vous connaissez Grand Cardon ouais Ouais, tu sais, ouais. moi, je jaillissais son contenu sur les réseaux sociaux parce que c'est comme Private Jet, les ouais. grosses affaires, pis tout. Je tout. suis milliardaire, t'sais, tout. Y... tu sais, comme, c'est correct, mais tu sais, c'est comme, tu vends, puis tu sais, comme il vend, je sais pas, des cours, des affaires, un petit peu... je suis comme tu peux. mais clair ce qu'il vend. C'est ça. Non, c'est ça, c'est pas clair. C'est pas clair d'où ouais. vient son argent, mais. C'est ça. Mais, par contre, j'avais. J'avais acheté de ces audiobooks, puis c'était tellement excellent. Par contre, là, je suis comme, OK, là, je comprends pourquoi c'est ta personne. Là, la personne qui démonte sur les réseaux sociaux, <laughs> puis dans, dans ces audiobooks, c'est deux mondes complètement différents. Puis je les avais tous écoutés, mais celui qui m'avait marqué, c'était Biopsis or Be Average ». Puis, dans ce livre-là, il commence à compter justement que lui, plus jeune, il, 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 il était addict à, à toutes les sortes de drogues. Le crack, tout le kit. Aussi. Puis, que, il est en rehab deux fois. Puis, la deuxième fois qu'il est sorti du rehab, le gardien, il a dit On se revoit bientôt. Puis, il a fait Non, fuck off. Puis, là, il dit qu'il est allé vendre des chars. Puis, il dit J'étais là de 7 h le matin à 11 h le soir, tous les jours. tous les jours. Puis, il dit Je suis devenu top vendeur, etc. Puis, là, il, 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 a, il a comme parti sa business après. Puis, il dit Ce que je me suis rendu compte, c'est pas que j'étais addict à la drogue, j'étais addict. Fait qu'il dit, peu importe ce que je vais faire, je vais tomber à dire qu'il faut que je boive. Euh, si, je vais genre, me déchirer. C'est drôle que tu dis ça, parce que c'est exactement à ça que ça me fait penser un peu euh, les, les, les gens très, très performants. Tu sais, on en parlait hier, justement. Les gens très, très performants, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a une tolérance à... Ben nous, on parlait, mettons, dans le milieu de l'humour, il y a une tolérance à l'échec, puis au refus qui est peut être... Plus élevé que la moyenne, parce que nous, c'est ça, notre métier, c'est con. C'est <coughs> con, mais on arrive sur scène, on arrive avec des propositions, puis des fois, ça marche pas. Puis il faut que tu sois prêt à t'humilier devant 50, 100, 300 personnes parce que tu as été pourri. C'est dans le processus, c'est ça l'essence. Les athlètes, il y a une tolérance à la douleur. Il y a une tolérance ouais. à quelque chose que peut-être que le, la moyenne des gens. Mais le stress, stress c'est le stress. C'est ça. Mais en gros, il y, y a une tolérance à quelque chose. Et l'autre chose, c'est que si souvent, justement, comme tu dis, tu demandes à n'importe qui, qui qui se lance en humour, Quatre, ben, je connais personne en fait qui dira pas Moi, quand j'entends des rires d'une chute avec une joke que j'ai écrite. C'est une adrénaline, c'est une dose d'adrénaline qui fait en sorte que tu as juste le goût de la reproduire, de la reproduire, de la reproduire. C'est quoi votre adrénaline? Oui, c'est ça. C'est là où j'allais. C'est que j'ai l'impression, ce que je trouve spécial, c'est que, premièrement, de tout ce que tu décris, finalement, c'est des métiers de performance. La vente, c'est un métier de performance. Nous, notre métier, c'est une sorte de métier de performance. J'ose nous comparer, là je suis désolé, mais j'ose nous comparer. puis C'est fou, les vases communicants, finalement, intrinsèques qui existent dans nos... Ça demande de la motivation, ça demande de la discipline, ouais. ça demande tellement de ouais. choses. Ouais. Puis, justement, toi, quand tu vendais, c'était quoi qui te drivait le plus? C'était-tu de rencontrer la personne, de closer le deal? Ça, la tu sais, la comme cloche? ça, genre, je pense que pour chaque personne, ça va être différent, dans ouais. le sens que, tu sais, chaque, mettons, vendeur, ça, 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 ça va dépendre du purpose. Tu sais, je pense que, justement, que, pourquoi, mettons, qu'il y, y a du monde, puis pourquoi peut-être que quand tu dis le mot vendeur, ça sonne négatif? Ouais. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de vendeurs dans l'industrie de la vente que. C'est, mettons, leur goal, c'est comme l'argent, mettons. Mm -hmm. Tu comprends tu Mais, 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 mais je trouve qu'en vente, mettons, si tu offres toujours, mettons, le meilleur service, l'argent va suivre. C'est un peu comme dans tout, mettons. tu dis comme en exemple promo, que tu es le meilleur ouais. humoriste, ouais. tu vas en faire de l'argent. Tu comprends tu Mais faut pas, tu focus sur, OK, mais je veux être humoriste parce que je sais qu'il y en a qui font de l'argent parce que tu n'auras jamais autant de succès que, que l'autre qui le fait par passion. Puis moi, mettons, ce qui m'a toujours drivé, c'est comme mettons, des marques, comme on va dire. Euh, Rolls Royce, ou tu sais, ouais. même ouais. tu vas prendre des grosses marques, c'est Bugatti, de... Lamborghini, etc. Tu sais, tu vas payer le gros prix, ou tu sais, même mettons Chanel, tu vas payer une sacoche mm -hmm. 15 000 ouais. On sait qu'ils font du gros crise de Markup, mais tu vas l'acheter pareil. Pourquoi? Parce que tu veux être attaché à ça. Puis, tu sais, moi, c'est toujours été mon goal du sens que je veux que tu sois chez vous, mettons, puis tu dises Eh hey, moi, je vais fait affaire avec Pierre Charles. Mm. Tu comprends-tu que ça soit vraiment comme… Puis que, que, que tu vives une expérience style un banquier… Ben, tu sais, comme là, mettons, je dis niveau finance, mais même, mettons, au niveau de de quand j'étais dans la vente, mettons que tu venais m'acheter une Audi, je veux dire, même si tu achètes une, une A3, OK ben, tu rentres dans un dealer Audi, tu te sens comme « Oh shit, je veux que tu vives l'expérience qui vient avec, tu sais. Moi, c'était ça le plus important. Parce que j'étais comme « Tu vas bien moins te faire chier, c'est con à dire, mais c'est négociation, puis tout. » Parce que, comme, puis surtout, maintenant, quand mettons, que je suis allé vendre des chars, mettons, mais chez Audi, tu tu penses que, maintenant tes compétiteurs, c'est BMW, Mercedes, des autres marques, c'était les autres dealers Audi, là. Comprends tu comprends-tu? Mm -hmm. Parce que, comme, ils ont oh, tous on les voir. mêmes chars. Tu veux dire, mettons, genre, tu t'en viens me voir, mettons, ouais. tu veux tu veux notre e en oeuvre mm -hmm. Ben, tu dirais tu va checker pour une euh, mettons une Jetta ou une Passat tu dirais tu ça ben moi si le… non parce que tu sais comme il y a une autre affaire en vente moi je me mets pas à la place du client uh -huh. tu sais du sens que ce que je veux dire par là mettons ben j'ai un courtier une, une, Nico là, qu'il est officiellement stagiaire là. Puis lui maintenant, ça c'est celui qui est arrivé super motivé pis non, tout ça. Non, ça c'est ça c'est Nathan. Lui, il commence son cours Lui en ce moment oh là, yeah. il est souscripteur. Vas tu bien? Hein. Oh, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Moi Nathan c'est mon histoire préférée ah. dans, dans, dans celle que tu as. Honnêtement man, man c'est un malade. Tu sais il, il me fait vraiment penser à moi mettons, quand, quand genre que j'avais justement son âge puis j'avais faim. Puis tu sais comme je trouve ça hot de mettons, pouvoir. Tu sais mettons, lui à, Par, à mon âge va être un propre. Un peu. exact. Lui mettons, à mon âge va être probablement plus loin du au fait que tu sais j'avais pas ça, là, témoin moi, du monde qui est comme autour de moi, qui réussit ou qui avait cette mais fin c'est quand même fou que tu fasses ça. Ouais. Puis que tu le vois pas comme de la compétition, ouais. mais au contraire, comme quelqu'un. Non, parce qu'à l'inverse, tu sais, avec tout, mettons, ce qui s'en vient, etc., j'ai besoin de gars comme lui, tu comprends-tu? Je comprends. vais avoir besoin de courtiers qui performent, je vais avoir besoin de courtiers qui vont vouloir, mettons, gérer des équipes, etc., puis comme... Puis c'est ça que j'ai dit, je fais pour vrai, là, pense pas à l'argent. L'argent, si tu performes, là, tu vas toujours en faire. Puis il est mm. fait, je le sais. Puis il dit, je pense à long terme. je pense, mettons, dans genre 10 ans, il dit, moi, oh, mais dans ma trentaine, je veux enjoy, il est même pas dans sa vingtaine. Je suis comme, <laughs> genre, c'est fucking bon. Il est pas far. dans sa vingtaine. Non, non, le, le gars, moi, il vient d'avoir 18 ans. Enjoy. Il, vient, trop, il vient d'avoir 18 ans en janvier. Il a lâché l'école à cause de moi, puis il est venu, il, au bureau, il a fait, écoute, mais je viens de lâcher l'école, ben, je veux travailler pour tout. Je suis comme, holy fuck. C'est oh, ouais, oh, je sais good. tu sens une responsabilité ou tu te sens euh... Non, non parce que tu je suis comme en même temps, tu sais comme peu importe ce qui se passe tu vas être. Tu sais, du sens que je sais qu'on a la demande, on a, mettons, le, 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 le volume pour que si ça tente de travailler, uh -huh. tu sais, comme tu peux travailler 16 jours par semaine, tu pourrais travailler jour et nuit si tu veux, tu comprends? Oui. Fait que, fait que pour ça, non. Fait qu'après ça, c'est toi qui vas gérer, mettons. Parce que aussi, tout, mettons, c'est con, là, parenthèse en parenthèse, mais les pay plans sont toutes faites purement à commission. Parce que moi, ben, je suis élevé là-dedans. Okay. Fait que tu sais, c'est comme. Moi, c exemple que mettons, tu travailles le double de l'autre, tu fais le triple de salaire. Pourquoi? Parce que je le sais que faire le double de résultats, tu me donnes tes fins de semaine, tu me donnes tes soirs, tu me donnes ta vie, tu comprends? Fait que tu mérites d'avoir une paie en conséquence. Si c'est pas linéaire, je trouve pas que ça devrait être linéaire, mm -hmm. Fait que Fait, fait que c'est ça parce que je trouve que c'est une. Pour justement pas blaser le monde à plus long terme. Puis fait, fait que je toujours été croyant, mettons, du domaine de la commission. domaine ah ouais, okay. de la commission, 100%. Puis la loyauté? La, beaucoup. Ça, moi, là, mettons, c'est. Loyauté, puis ma blonde a dit que c'est parce que je un cancer. Je suis un signe. Le signe astrologique, c'était oh, as oh, pas oh. euh, oh, cancer-là oh, dans oh, ma vie. Oh. Non, 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 okay. non, non, tu <laughs> Mais, mais, mais ça, c'est con, mais elle veut pas aussi. Quand je trouve que, comme là, mettons, ben, ça grandit, etc., puis même moi, mettons, au travail des années, je, je, me, je me dis OK, good, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour toi C'est con. Mais comme ça n'a aucun rapport, mettons, tout ce que je fais, surtout aujourd'hui, ça n'a aucun rapport, mettons, avec l'argent, mais tu sais, vraiment, justement, le service, etc. Puis le monde que j'ai autour de moi, tu sais, mettons, je me rappelle, j'ai eu, mettons, justement, comme Nico. Au début, il est venu, puis il s'en allait pour être avocat. Puis ouais. un de mes chums m'a mis en contact avec lui. Ben, en fait, parce qu'il lui, il checkait mes vidéos, puis il était pas sûr, puis là, à blanc. Puis il est venu pendant deux mois, il venait deux jours par semaine, juste, tu sais, voir c'est comment, etc. Puis tout, je dit, OK, good, mais si tu vas être ici, tu prends le téléphone de la réception. Fait que il dit, wow, mais quand le téléphone sonne, je quoi que je fais. Tu te démerdes. Genre, moi, genre, ça me dérange pas, tu te démerdes. Là, il était comme ben, Lui, mettons, ben, il est habitué de à l'école. Ouais. Mais là, moi, c'était l'inverse. Moi, j'ai toujours été comme Tu te fais mettre, mettons, dans, dans une situation, tu figures out. Puis ça m'a toujours fait apprendre plus. puis C'est une des raisons pourquoi, à l'école, je pense que j'avais pas nécessairement les notes. Je me questionnais souvent sur pourquoi, qu'est-ce que ça va me servir, mmh. etc. Fait que là, lui, pendant deux mois, mettons, ben, il a travaillé tu pour moi. Ça, ça, ça marche avec ma fille, moi. On ouais. m'a fait. Je suis pas capable, je dis ouais. papa non plus. T'es mieux de te 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 prendre, te prendre la mauvaise là, décision, trouve je trouve. De... Exact. Je, je, trouve, je trouve que t'es mieux de prendre une ouais. mauvaise décision, puis tu sais, vivre avec les conséquences, puis d'apprendre ouais. que de te faire dire quoi faire. Mais c'est drôle à dire parce qu'hier, j'écoutais euh, Michel Gondry, c'est un, un cinéaste euh, qui, a, qui a fait des films. Euh, en tout cas, il dit quand investis ton temps dans une mauvaise idée, il dit, en fait, il, il expliquait qu'il préférait quasiment les meilleures idées aux bonnes parce qu'il disait quand investis dans une mauvaise idée, le temps que tu vas mettre pour la rendre présentable, puis le travail que tu vas faire pour la rendre présentable, c'est là que, dans le fond, tu te dépasses. C'est là que, finalement, tu ton travail, ton expertise, c'est là que tu t'améliores, puis c'est là que ça donne quelque chose qu'est-ce que tu fais dans la vie. Après ça, les mauvaises idées, ça reste des mauvaises idées, mm -hmm. des fois, là, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends l'idée de, je pense, ben, à moins que je me trompe, là, mais je pense que ce que vous dites, c'est ça. C'est l'idée que foncer, trouver, puis. Ouais. trouver une façon ouais. ta méthode va être la bonne à un moment donné ouais. tu sais tu quand même attends, mais les vidéos au début début là, ouais. on se faisait dire par du monde dans l'industrie tu vas perdre ton permis tu peux pas faire ça Pourquoi? tu peux pas parler maintenant de finances de même en ligne puis en même publiquement puis tu sais au début début quand j'ai commencé j'avais pas non plus toutes les connaissances fait des fois on faisait des erreurs etc on l'enlevait on corrigeait puis tu sais comme tout le monde était vraiment contre nous puis tu sais j'étais comme fait qu'imagine que t'aurais voulu que tout soit parfait parce que ça m'est déjà arrivé que j'ai voulu partir des marques de linge ou du genre de suppléments puis je m'étais embarqué avec du monde qu'il fallait que tout soit parfait fallait qu'on ait huit mmh sauf faut qu'on ait quatre mmh. sortes de protéines différentes fait, qu a... fait que ça finissait qu'on ne faisait jamais rien fait que maintenant quand je suis rentré en hypothèque c'était la première fois que j'ai fait là, là tu te garoches puis tu vas figure out as you go » parce que tu ne sais même pas pis, si maintenant tu m'avais dit au début tu vas t'être rendu où est-ce que tu es là puis ça c'est le patte à suivre ben on serait probablement pas là parce que ça, ça a fait si ça a fait ça de même on a engagé plus vite ça, ça, etc qu pis... euh, deux questions comment tu sais que ça existe le métier de courtiers euh, ouais, immobiliers et hypothécaires plutôt immobilier c'est vendre des maisons comment tu sais que le métier existe et comment tu te lances là dedans dans le fond, là, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 10 ans, okay, ma tante, moi, était directrice de deux succursales de la Banque Laurentienne. Pis euh, dans ce temps là, je pense que j'étais chez Bro. Je pense que j'étais chez Bro Martino durant ce temps là. Ça doit faire 8 ans peut-être. Et anyway, euh. Puis elle m'avait dit Pierre Charles, je te verrais, courtier patakaire. Je suis comme Qu un quoi un courtier patakaire C'est quoi un courtier patakaire Ça pis, fait pas rêver hein, a priori courtier pat. Avant toi, ouais, ça, ça faisait ça. pas rêver. Exact. Tu sais, es comme t'as aucune idée. Mais en fait, puis pas juste ça. La job à ma dire, c'était quand même de la merde. Pour, ouais. pour être franc, c'était comme ça la plate. Ouais, tu sais comme on va en revenir après là, mais tu sais, c'est tu te déplaçais chez le monde là, tu, ils il, il, il te montraient tous mes documents là. Oups, tu sortais le bureau de crédit. Qu'il y avait 500, tu c'était comme. Tu c'était pas la même game qu'aujourd'hui, tu Puis. Euh... Mais bon, fait le, 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 le... Ma, ma tante, justement, est directrice de, de... deux succursales, puis elle, a transigé avec quelqu'un qui était chez un multipresse, Laflamme. Puis elle s'appelait Margot Laflampe, était comme, tu moi souvent, Margot m'appelle, elle est comme, hey, mais tu ferais-tu comme, tu vas mettre tel genre de dossier, puis elle m'expliquait le dossier, etc. Puis, puis ça. Fait qu'elle dit, tu faut, faut comme que tu vends. Mmh. Le dossier du client. Puis elle dit, c'est pas nécessairement qu'ils ont des mauvais dossiers, souvent mais ils ont des très beaux dossiers, mais juste comme quelle option. Fait, fait même même au client, tu conseilles le client. Fait elle dit, des deux bars, c'est hot. Là, tu, tu parles avec la banque, des fois, mais quand c'est plus rough, ah, hey, check. Là, oui, je comprends qu'il y a eu mais, mais des retards ou que ça coûte est peut-être limite, mais voici pourquoi. si ça, ah, ça, ça jamais ça. vu ce, ce point de vue-là que quand ouais. on est avec toi, quand on un courtier mmh. euh, hypothécaire, il vend à la banque. J'avais jamais, ouais, jamais euh, réfléchi à ça. Exact, 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 exact. Mieux que nous, on puisse se vendre. Ouais. Moi, si la banque a dit non, je, mais je comprends. Hein. Parce que ça, ça nous est déjà arrivé souvent qu'on ait des dossiers, mettons, limite, que le gars est allé dans la banque. Ça n'a pas marché. On l'a renvoyé à la même banque. D'autres, ça a fonctionné. Ah Ouais. ouais juste parce que c'est con, là, mais... Tu l'as présenté d'une ouais. façon... Ouais, euh... Tu sais, comme, euh, vraiment, c'est un peu comme toute l'explication, surtout comme ma blonde, elle est, elle est CPA auditeur, puis tu sais, ouais. elle fait de la fiscalité. Puis mettons, comme, euh, on s'était fait checker, mettons, comme pour les taxes. Puis là, mettons, mais ben, il fallait qu'on explique, genre, mais des affaires. T'sais, elle a tout expliqué, voici, tac, 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 ta, 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 ok, parfait, c'est beau. Puis, tu sais, j'étais comme, en bout de ligne, la différence entre c'est pas correct et c'est correct, c'est une explication. Puis, j'étais comme, moi, mettons, avec certains dossiers, ça fait la même affaire, tu Fait que mm. c'est vraiment, tu sais, comme en bout de ligne, la personne qui est dans l'institution financière, qui approuve ton dossier, c'est un humain, tu sais, tu comment tu Fait qu'il faut oh, juste ouais. que lui comprenne le risque parce que, tu sais, si lui se fait checker son dossier, dans, genre, dans deux ans, la conformité, elle va dire, ouais, mais check, sa cote était vraiment limite. Ouais, mais check. Il nous avait dit que c'était dû à ça, ça, ça. Ah, OK, c'est beau. T'sais, tout le monde essaie juste de comme, se backer un petit peu. Euh, 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 je fais juste du coca deux secondes. On est rendu dans 4-5 parenthèses. Oui, oui. Non, mais. mais, ah, mais... c'est ça. Mais justement, toi, là, ça fait combien de temps exactement à peu près que tu es, euh, es courtis? Ça fait deux ans le 1er septembre. C'est une joke? Ouais. Ça fait deux ans seulement? Oui, oui, ça fait deux ans. deux ans. OK, premièrement, bravo, sincèrement, Avec parce que, je veux dire, tu es, ouais. es devenu. Non, mais c'est ça que je disais tantôt, tu sais, ouais. comme avant toi, ça faisait pas rêver de courtier, mais c'est pas une joke. C'est ouais. que là, je parlais à mes, à mes neveux. J'étais comme euh, il arrive à peu près fin secondaire, début cité, l'heure un peu des choix, là, tu sais. puis euh, j'étais comme, comme comment vous entrevoyez ça. Puis le mot courtier hypothécaire est revenu deux, trois fois. Puis là, j ai, j ai, Évidemment, je ne suis pas cave, là. J'ai fait le lien avec toi tout de suite. Fait que je fais. OK, tu fais. Tu, tu, non seulement tu vends tes propres services, mais en plus, tu vends ta profession. Ouais. Ce qui est un double ouais. exploit, si tu veux mon avis. Ouais. Mais l'autre chose, c'est que euh, ma, ma question, c'est que en ce moment, tu sais, j'ai l'impression que y a, les gens sont très frileux. On a vécu une bulle de feu il y a, mettons, la COVID à COVID, peu ouais. près. Là, les taux sont très hauts, les prix sont restés jackés. Est-ce que en ce moment, cette situation-là, tu hâte que ça finisse ou au contraire, toi, ça ne change pas grand-chose dans ta vie? C'est sûr que pour être franc, en finance, c est, c est, mais, oh, je trouve qu'on est un peu le domaine qui est « bulletproof » par rapport à ça. Tu sens okay. que peu importe que, que les taux soient à 1 ou 6 il faut une nouvelle tonne de bouteille. De toute façon. Tu comprends du genre, comme pour vrai, comme peu importe, mais à l'inverse, les taux, quand ils sont plus élevés… Tu sais, exemple, le taux, mettons tu avais 4 ouais. Puis là, ta banque, là, mettons, durant le COVID, elle, elle t'envoie un offre parce que t'arrives à terme, pis es comme, oh, 2, tu t'es comme Ah, 2,24 Tu vas-tu penser à plus là, un courtier peut-être Tu vas dire Bah, Chris, c'est 1,7 plus bas ouais. Mais là, t'avais 3 puis là, ton offre de renouvellement était à 6 es comme « Chris, peut-être qu'un courtier pourrait tu m'avoir un meilleur taux. C'est comme, cool, mais le fait que les taux sont hauts, ah, on, a encore, on, est encore, on, on a encore plus de business du sens que le monde, tu sais. En, en fait, je veux pas juste, me avoir. Euh, non, genre, mais je veux pas me faire avoir. Puis comme c'est comme tu dis, autant que. que surtout là, c'est de moins en moins peu mais dans l'industrie ce que je fais c'était vraiment pas aimé de personne, puis tu sais justement, me ils ont souvent été derrière moi, puis ils m'ont souvent justement aidé là-dedans, puis tu sais par rapport à ce que d'autres courtiers dans, genre, dans l'industrie disaient, puis moi j'étais comme, je le, je, je le disais pas à genre haute voix, mais je suis comme tu sais, genre il y a du monde qui t'appelle probablement à cause que ils savaient même pas c'était quoi un courtier hypothécaire, plus, moi, pas. puis exact, puis dans leur tête peut-être que toutes les, les, les courtiers hypothécaires connaissent les affaires autant que moi sont autant cool. Ce qui n'est ouais. pas, pas nécessairement le cas. c'est pour ça qu'il y a comme un autre message que j'essaie de véhiculer, mettons, que c'est quand même assez récent. Parce qu'ils nous ont dit, tu vois, ben On a appelé un courtier hypothécaire puis il y avait un dossier rough, mais ils se sont fait charger des frais de dossier à côté. » Fait tu sais, c'est pas parce que... C'est des travailleurs autonomes. Fait il y en a qui sont super bons, mais il y en a qui c'est que tu fasses attention. Là, tu tu ouais, qu'ils ne sont, ouais. sont pas nécessairement sa coche? Fait n'est c'est pas parce que tu vois nous que tout le monde travaille comme nous autres, puis tout le monde est comme autant rigide, etc. c'est la raison pourquoi que, mettons on, on est outstanding du sens que comme on est mettons, à l'interne de mon équipe, c'est vraiment, vraiment, vraiment strict parce que c'est surtout qu'on est partout en ligne. La réputation pour moi c'est important qu'elle soit excellente puis qu'on deliver puis que comme Mais tu une puis, réputation. c'est important ce que vous faites, je veux dire l'achat d'une maison pour la difficile. majorité des êtres humains, c'est le plus exact. gros achat de leur exact. vie, exact. immense. C'est un gâ... capital aussi. Puis tu peux gâcher la vie de quelqu'un si ouais. son hypothèque ben oui, pas bonne. Puis il faut que tu saches, c'était le domaine je trouve du public là, que j'ai trouvé le plus le plus challengeant en termes de comme T'es toujours maintenant exemple toi, tu m'appelles c'est ta première maison, ton premier condo, nice. tu 14 jours. Puis là, en plus de ça, probablement que tu as fait affaire avec un courtier immobilier, que ça fait pas longtemps qu'il fait ça, qui est à un deal de faire faillite, là, mettons. Ouais. <laughs> Puis que lui, oui. il touche une cote de référencement s'il t'envoie avec telle banque. Fait qu'il est en train de te dire que moi, je suis un pourri, puis tu devrais prendre son conseiller quand que lui, il a aucune connaissance du monde, pas ta cœur. Fait que là, tu es comme OK, mais qui que je crois? Est-ce est que le courtier, ouais. tu sais, il, 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 il me baude de mal parce qu'il veut m'envoyer à qui, tu sais? Fait, fait que là, le, genre, le client, il est comme OK, good, mais moi, mais je vais être fidèle. Fait que je vais te rappeler Pierre Charles parce que tu m'as mais genre, ma précale. À tous les deux jours, son courtier dit Tu vois, tu dû aller avec mon gars. tu vois. Fait que là, tu as comme une super grosse pression de la part du client. Puis tu sais, comme ton travail, c'est vraiment comme hey, Écoute, Benoît, là, ça va bien aller, envoie-moi tout. Là, là après ce Benoît, envoie les documents, tu croches. Tu sais, Benoît. T'sais, mais c'est normal. Veux dire, mais moi, honnêtement, j'avais aucune. C'est quoi un avis de cotisation? Hum, tu sais, tu comprends quoi, ce que je veux dire? Tu je t'ai Fait que là, moi, quoi, je, je, je <laughs> te demande un T4, je te demande si, je te demande si, ouais. OK, mais non, mais comment on, on scanne des documents dans 5 ans? Je pense que ça va être plus facile. Pourquoi? Parce que tout va, mais, mais va être là. Mais juste, notre façon de faire, on est les premiers courtiers qu'on est. Mettons, tu m'appelles puis tu veux me rencontrer, on fait pas affaire ensemble. C'est jamais vu, ça. Mais tu sais, c'est comme. C'est-à-dire, toi, tu files la vibe avant d'accepter? Euh... Non, non, mais c on fait tout par téléphone c'est ah ouais. tu sais, de un c'est bien plus vite puis tu sais comme en bout de ligne tout mais c'est quoi tu, tu sais je comprends là tu veux, tu veux comprendre un café puis tout mais tu sais, tout le monde on, on est tout fucking occupé là on n'a ah. pas deux heures à, genre mais deux heures à genre brûler en 30 minutes au téléphone. J'ai une famille. C'est ça. Je vais passer plus de temps avec eux qu'avec le courtier hypothécaire. Je veux tu sais vraiment ce que tu fais pour que je me rencontre. Non, on dirait ça. Puis t'es comme, moi, en bout de ligne, ce que toi, tu veux, c'est tu veux un bon service puis tu veux le meilleur deal. Je comprends qu'il y en a eu une couple d'infos, mais qui était forchée par rapport à ça. Je suis comme, arrête, là, tu veux pas vraiment me rencontrer. T'sais, comme. <laughs> ben non, mais moi, je voudrais te rencontrer. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Je suis starstruck, puis tout. Ouais, oh, 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 En passant, j'apprécie énormément ton, ton élégance vestimentaire. Ça, c'est un, 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 un commentaire you. personnel. Thank you. Euh, non, mais ça c'est un voile, ah oui. c'est fait. Là. Ouais, non, mais parce que pour moi, tu sais, c'est con. Mais moi, ça, t'as t'as comme ça, quoi. Sur mesure, mais right. ben, en fait, ouais, sur mesure. Mais oh, tout -là, qui, qui qui te. Non, non 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 c'est c'est pas c'est pas non, c est... C est... ça Thomas c'est tellement discret ce que tu viens il y de a le dire. Non 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 mais... mais non mais pour être, tu c'est de la pub. Genre c'est Safiastar, ah, okay, parfait. Ah parfait. Bon, mais c'est Safiastar. Non mais je fais juste. C'est de la pub. Non oui 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 mais ce que j'essaie de dire c'est que dans les règles de la gentilhommi tu, tu poses jamais la question, c'est qui ton tailleur? Tu laisses l'autre te dire, c'est qui son tailleur? Ouais. Tu vois, ben même moi, ça, je le savais pas. Oui, mais, ouais. mais ça, c'est. Lui, c'est déjà puni le tailleur pour vrai. Fait que <laughs> la galanterie. Oui, oui. Est oh, ça, est oui, ça, est oui, ça. la galanterie, il s'est déjà fait de non, money, non, oh, oui. J'ai émis des, des critiques euh, oui, constructives oui, non. face à un tailleur. J'ai l'air plus poli que moi, mais c'est oui. moi qui gère les problèmes. Ouais, hein, c'est ouais, ça. Ouais, Parce que ouais. moi, <laughs> moi, souvent, j'essaie Tu Il peut faire le bien puis il fait le ouais, mal. Mais. Ouais. mais comme puis, puis pour être franc, pourquoi que je suis allé voir elle pour être... C'est que mettons, moi, là, elle est, est comme moi. Dans le sens que je suis arrivé là-bas à me dit PC ». Toi, là, faut que tu sois de même dans un arme Voici les couleurs, tac, 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 parfait. Choix, placard, je la carte je m'en vais, c'est comment? C'est incroyable parce que. <laughs> non, 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 mais, mais Pour as, vrai. As, oui. à peu près, T'as es, ouais. une esthétique. Ouais. Ouais. Au-delà au -delà de tes décors dans ton ouais. TikTok, on le sait ouais. que tu as tes initiales. T'as ouais. Bourgogne. Oui, ouais, c'est ça. Souvent, c'est comme caramel, ouais. Bourgogne. Bon, ouais. fait cet aspect-là, comme tu dis, c'est que tu vends un produit, finalement. Mm. Et t'es le thé, ton propre ouais. produit. Parce que moi, dans le fond, pour, même en vente, j'étais chez. Le, à partir de Bon Martino, j'étais toujours en soupe. J'étais ah ouais, en hein? soute, Audi aussi. Chez Best Buy, moins. Euh, t'es en polo, <laughs> tu chopes avec. <laughs> un peu polo, <laughs> ouais, c'est avec... <laughs> mais parce que, mettons. Puis j Audi, t'es en saut Ouais, en saut tout le temps. Parce que, puis, je trouve que c'est une marque de comme de T'sais, respect, de respect puis comme t'as impressionné la personne t'es comme tu prends des notes je fais là, je là, là, de l'humour je, des notes. Oh, je non, parle de ma check. graine dans des dans Oh, mais check check là là ouais. t'as l'élégance là t'as moi qui essaie pis toi, là, comment tu t'habilles habillé, <laughs> à <la> fin, là? femme? <laughs> je mis tranquille, doucement. Oh, j'aurais dû fermer ma Tout va bien. Thomas, pas... <laughs> tu vois, non? Mais, ah, on y va, let's go, on le roast. L'élégance, <laughs> c'est humilier les autres. Oui, ça, 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 fait élégance. Élégance, ouais. <rire> <rire> ça fait partie de l'élégance. Ça fait l'élégance. Mais justement, mettons, mais chez Audi, j'ai remarqué qu'il y a vraiment deux types. Tu sais, du sens que j'ai vendu des R8 à 300, quelques à du monde qui rentrait en gogun. Tu sais. C'est vrai? C'est oui, vrai. C'est vrai. C'est pas un mythe. C'est pas un mythe. C'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Oui, oui. Il y en a un ami qui travaillait chez Dior puis il disait, qui Rentent en habit costard sont pauvres. Pas Ceux qui rentrent en jogging, non, c'est riches. c'est pour pas... ça que je me mets en soute mais... d'avoir l'air d'un pauvre. Ouais. <rire> 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 moi, tu vois, c'est le contraire. J'échoue, mais c'est pas Ils vont pas arriver avec n'importe quel gogoon. Ils vont avoir des gogoons de go Ça, c'est la différence. Tu fais jamais travailler en vente dans ces magasins là. Tu sais oui, pas, oui, mais je sais, c'est quoi des gogoons ah. de go Mais mettons, moi, maintenant quoi... à ce moment pour rien, moi, là, je suis le pain dans dans le sens que tu sais j'ai oh, j'ai vraiment rien de marque là tu sais vraiment tu sais mais j'ai ma montre mais je l'ai en cadeau mais je me l'aurais jamais mm -hmm. acheté probablement parce que tu sais ouais. moi je suis pas super matérialiste fait que, mettons que quand quelqu'un rentre ou même mettons comme ma blonde elle, 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 elle aime plus comme genre mais les belles choses fait tu sais comme ouais. eh hey, ben voici c'est quoi c'est des euh, Valentino je comme c'est quoi ça? Ben là, tu connais pas ça, non? Fait, sûr ouais. que même maintenant, je vous dis, peut-être que quelqu'un rentrait avec des gagns à 2000$, mais pour moi, c'est une paire de gogoon à 20$. Ah. Je pouvais pas te dire c'est quoi. Okay, ouais. Mais c'est ce que je voyais Maintenant, c'était un t-shirt plain avec justement un. Non, ouais, mais ça paraît quelqu'un qui. Ouais. Comme... Ouais. Parce que. Il va, il va avoir une coupe de cheveux ouais. clean. Tu sais, même s'il est en gogoon, ouais. ça va pas. Ouais. Mais je te le dis pas toujours. Puis justement, je comme une chance que justement mon focus ait souvent, toujours été de juste donner un service parce qu'il y aurait une coupe de shots que je m'aurais fait baiser. Genre, ce gars-là, c'est Sly se faisait au moins 15 minutes, mais qui était là puis qui tournait en haut, personne n'allait le voir. Moi, je suis comme, OK, mais vous y allez pas. Parce que on a comme un, un, ouais, ouais. un rôle, un, un tour. Moi, je suis comme, je m'en crisse, man, j'y vais. Pack le gars, man, on a jasé pendant deux, genre deux heures, puis il venait vendre à à de vendre une partie de sa compagnie, puis euh, il l'a il payé débit. Il oh. a acheté une R8. Débit, ouais, ouais, ça me faisait. C'était comme. comme la seule pas. fois que c'était arrivé dans le Ouais, ouais. Oh. c'est la, la première fois que j'ai que compris que sur une machine Interact, c'est cinq chiffres maximum. Fait qu'il a fallu faire ça en trois shots. 9999999999. Puis qu'il a passé sa carte trois fois. Je comme, OK, ça existe du monde qui ont ce genre d'argent-là. Il liquide. Oui, oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est wow! Est-ce que tu recommandes l'achat euh, d'un véhicule de luxe? C'est vraiment une bébelle, tu sais. Non, non, mais c'est une, ma... une question que ouais, tu posais parce que ça, ça revient souvent ouais, dans tes affaires, ouais, dans le paiement de charge. Oui, ouais, c'est parce que, tu sais, mettons, on, 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 les, surtout, maintenant avec les taux actuels, tu sais, comme, maintenant tu vas t'acheter une Kia ben normale puis tu es à 600$ par mois, là. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Maintenant, moi, je me rappelle quand j'ai acheté un. En 2014, j'ai acheté une Audi A5. 2011, elle avait trois ans, ça me coûtait ça 600 pièces par mois, puis c'était une Audi elle avait 3000 30 kilos. Fait mais les salaires, ils ont pas nécessairement suivi. OK, ouais. puis les prix des maisons, ça a beaucoup augmenté. Fait que tu sais, avant maintenant de te garrocher dans un paiement de tu sais, vraiment de te dire c'est quoi mon but? Est-ce que je veux m'acheter une maison ou non? C'est moi mettons, autant que je fais un paquet d'hypothèque, je suis en location, tu comprends tu parce que genre je suis tellement c'est con, ça ça me tente pas de faire l'entretien, ça me tente pas de genre là-dedans, je suis quelqu'un que en ce moment, je ne suis pas assez stable, tu sens que je pourrais me péter une bulle demain et dire, hey, écoute, non, mais je veux déménager à telle place, puis j'ai mmh. le goût d'avoir cette mmh. flexibilité-là. Tu sais. C'est sûr que si tu t'achètes, mettons, un char, tu sais, justement, mettons, une... c'est comme tout dépendamment du type de voiture. Tu sais, exemple, tu si t'achètes un autre, char. Exact. Tu sais, tu sais. Un genre de A à B, mmh. fine, tu, sais, tu n'as besoin, vas-y, sois pas excessif. Mais à l'inverse, tu veux t'acheter une b comme lui qu'on parlait, une R8, dis-toi que c'est comme si tu t'achetais un genre de motocross ou un 4 roues. Tu sais, mmh. Ce n'est pas nécessité. Fait que assure-toi que comme ça va pas t'impacter. Okay. Maintenant, il y a des gens qui veulent s'acheter une maison, un premier achat. On va okay. prendre Julien en exemple. On Julien en exemple. Quelqu'un qui veut faire un premier achat, ça serait quoi les trucs que quand tu rentres, les, quand il te parle au téléphone, tu te dis si seulement y il avait, y avait, y avait su ça. C'est quoi les trucs, les gens maintenant qui veulent acheter une maison dans six mois, dans un an, dans trois mois, les choses à faire attention. Les dates. OK. Les dates, les dettes. Le, le, mais comme, c'est comme je te dis les, 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 les prêts auto, c'est toujours ça qui tue. Le reste, parce que, tu sais, le reste, c'est malléable. De ce que je veux par là, t'as 10 000, si ta, si ta carte de crédit, ça prend 5 000 pour que ça marche, ben, si ta carte de 5 000, ça fonctionne. C'est effectif. Ton prêt d'auto, là, faudrait que tu le payes en totalité pour que ça ait un impact. Parce que même si tu mets 50 dessus, mettons, tu dois 40 000, tu mets 20 000, ton paiement reste le même. Fait que ça l'impacte vraiment beaucoup, mmh. Puis justement, les jeunes, d'un fois, tu sais, puis c'est pour ça que tu t'as 18, 19 ans, 20 ans, tu veux, sais jouer à ça, etc., comme... Tu veux, flashier, tu veux flasher, flasher, barbie. exact. Fine, t'sais, c'est correct, mais faut juste que tu as réalises... t'as besoin d'un char pour faire des trucs ou, euh, ah, exact, Il faut mais... juste que tu réalises, mettons, vraiment l'impact que c'est, là, versus t'achètes, mettons, ta maison, ton duplex, ton condo, tu vas pouvoir acheter ton char après, mm -hmm. parce que c'est pas qualifié de la même manière. Mais sais, après ça, c'est parce qu'encore là, venir venez suggérer à quelqu'un, Garde, pogne-toi une maison, est-ce-tu à toi à la gorge maintenant, <laughs> puis après ça tu te pogneras un char vu qu'il qualifie pas ça de la même manière. T'sais, fait que faut que tu sois réaliste vraiment, que tu, tu viennes te budgéter. Mais je dirais que vraiment, les prêts étudiants, c'est les prêts les moins payés Pourquoi? Souvent, man, les paiements, c'est 50 pièces par mois, c'est pas grand chose. Ce que, que les banques regardent, c'est pas le prêt total, c'est l'obligation mensuelle. Parce que tu sais, en bout de ligne, oui, maintenant, des fois le monde sera comme, ouais, mais j'ai telle affaire là, tu sais que c'est payé cash, puis tout, puis bla bla C'est comme, oui, mais la vérité, c'est quand tu as payé à rente là, c'est combien qui sort. Je comprends qu'il te reste un an, je comprends qu'il t'en reste quatre, mais ça reste que pendant deux ans qu'il te reste à payer, là, ben, il va falloir que tu fasses tous les paiements inclus à l'hypothèque. Le plus problématique, je dirais, c'est de faire attention c'est les paiements d'auto. Pis... Ah ouais tant que ça. Là. Ah ouais, toujours, toujours. tes ça revient tout le temps. Non, non, non mais c'est ah, ça. Dans tes, dans tes ah, vidéos, ah, tout le ah, temps ah, comme ah, la barre. Ah, tout ah, va bien, il y a ce paiement de char. Ah, ah, Puis le... ouais. même qu'il y en a un, qu'on qu a fait un deal, ouais. il ne nous l'a pas dit, mais c'était dans. Ils il, il prenaient possession, je pense, six mois après que le financement est approuvé final. Mais ça arrive que, que quand c'est après trois, quatre mois, la banque, elle demande de réouvrir le bureau de crédit pour justement juste être sûr que ta situation financière n'a pas changé. Fait qu'ils demandent ah. un, 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 un nouveau talon de paie puis ils ressortent le bureau de crédit. On reçoit un appel de la banque. Ouais, écoute, il est rendu avec un paiement de 1000$ pièces par mois. What the fuck? Appelle le client comme. Mais là moi je pensais que vu que c'était final. crise de un, t'es pas sur notaire là, tu que pas fait que tout a chié. Ah. Tout a chié. Puis là à cause qu'on a fourni mais la lettre finale, là les vendeurs voulaient le poursuivre parce que là non non non, mais tu peux pas back off ben, d'une transaction comme ça puis c'est ça. là, finalement, ben, j'ai parlé avec les vendeurs puis je leur ai expliqué, tu comprends puis ça que ça finit ah, que c'était correct. Ça commence avec la patate chaude qui est comme lui. Ouais, c'est c'est que... pour ça que je te dis on est un peu comme des avocats. Uh -huh. Tu sens que quand il y a des fuck up, c'est qui tu vas appeler c'est moi Tu, vas appeler. Okay, comme, tu comprends? appeler c'était comme un avocat, faut tout te dire. C'est exact. Fait exact. Moi, c'est exact. mourir exact. de rire. Je te connais pas dans. Je, dire, oh, moi, je te oh. connais pas dans la vie. Pourquoi justement j'ai un char à. Exact. C'est à moi, moi que je me... Même si tu me juges, c'est pas juste à faire juger les paiements. Ça me fait mourir non, de rire Puis... le nombre de fois dans tes vidéos où ouais. on n'a pas dit qu'il y avait une dette, on n'a pas dit qu'il y, qu y avait un char, il n'a pas dit qu'il y avait un divorce, on n'a pas exact. dit qu'il y avait une faillite. Honnêtement, tu sais, pourrait. le coursier hypothécaire, conseiller hypothécaire, tu il veut pas. Lui va voir ton squelette. C'est lui, C'est con là, mais tu ne peux pas y cacher des affaires. parce qu'on en a même des des des, jeux, des clients. ah, oh, ouais, j'ai une BM, j'ai ci, j'ai ça. Que tu sors de bureau de crédit, t'es comme, ok, oui, mais t'as tout ça, man, Mais t'avais avec claqué, là. Tu comprends, tu genre, ouais, c'est ouais, es beau une ce que tout look. le monde voit, là, parce ouais. que comme, fois, tu sais comme, d'un coup, tu dis ok, oui, mais ces réseaux sociaux. D'un coup, tout le monde a l'air heureux. Mais même moi, c'est plus loin du sens que comme, même je, je vois leur maison en vrai, je vois le charge, puis je vois leur situation financière. Je suis comme, big, tu rendu à 45 ans, 50 ans. Tu as piastres dans le compte de banque là, tu va dire Tu sais qu'il y a une affaire, moi, j'ai... quand on tournait dans l'émission euh, Like moi, on louait souvent des, des grosses maisons, ok Ça c'est une affaire qui m'a vraiment. Vous avez déjà tourné chez mon comptable C'est vrai Oui, parce que une maison est des 50. Oui. Ouais. Ok. Je me souviens de cette maison là. <laughs> Mais je te dirais que on a tourné dans des maisons là, des quartiers très très cossus parce que. Cossus, ça veut dire euh, Riche. Okay, okay, des okay, des okay. Quartiers très très riches, des grosses grosses maisons à plusieurs millions. Ok. Puis pas tout le temps, mais c'est arrivé au moins trois fois. Je te jure, t'arrives là, il y a euh, un Q5 euh, dans, dans l'entrée. C'est un gros char. Oui, c'est un... C'est un... un VUS Audi. Oui, hein. mais c'est pas le Q8 ni le Q7, non, non, non. mais bon, c'est un Q5. D'ailleurs, est-ce que tu recommandes l'achat d'un Urus ou vas-y avec un SQ8, honnêtement? Euh... S8. OK, parfait. On est dans la même école de oh, pensée. Oh, ouais. J'ai voulu m'acheter une, une A8 2010 en passant, une S8 2010, parce que c'est le V10 de Gallardo, là, mm -hmm. mais oui, anyway, j'ai pas osé. Oh, mais oh, je sais pas si, en tout cas, on en reparlera de ça. Mais... <laughs> Juste et un char, Phil. Commence par mais... avoir un char. Ouais, mais c'est ça mon C'est sûr qu'un qu S8 2010, j'aurais peur. Ben oui, mais en même temps, t'as un V10 Lamborghini, par exemple. Ouais. c'est quand même, tu sais, ça au garage, là. par tu exemple. Tu le sors-tu quand même mouille Ben oui, tu peux. Sauf que le problème, c'est que c'est la propulsion. Puis là, l'hiver ici, on n'est pas en Californie. Moi, c'est pour ça que j'ai plus d'inspiration ouais. pour une RS6 avant, mais peu importe. Là. Ouais, très ça, très. Ouais, ouais. Ou une E60. ça, il dit tout ça, mais il chauffe la Subaru de sa blonde. Ça faut euh, le mentionner. De mes parents. Parce que parents... <rire> <rire> hmm. Non, mais c'est parce que je suis pas capable Paiement de charge. Wise je... guy. Exactement, on est quatre, on est quatre. Je suis dans un million, on est quatre, on a trois chars de trois formats différents. Ouais. Pas besoin de rentrer une Panamera là-dedans, là. là comme mm -hmm. on a un équilibre en ce moment, c'est bien correct. Anyway, euh, non, je sais pas où j'allais avec ça. On parlait de, que, Quand étais tu chez Like, moi allais, dans dans des maisons très 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 riches, très riche. Tu sors, tu sais, tout le tout est beau, vite de meubles. Il ouais. y a une table, comme limite, table de pique-nique en plastique, petit meuble, rien. C'est bon que tu dis ici. Non, mais c'est vrai. Plus jeune, ma mère, c'est ça qu'elle nous disait. Parce que, tu sais, comme, mais, mais pourquoi qu'on n'habite pas dans une grosse maison? t'es ouais. comme Pierre-Charles, il y a bien des grosses maisons qui n'ont a pas de meubles parce qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter des meubles. Non, des grosses maisons avec des chaises de camping, ce n'est pas un mythe. Ça non, existe. Ça exi moi, je l'ai vu. Tu sais, il y a deux fauteuils. Extérieur riche, à l'intérieur crack house. Oui, c'est quand même. Ça, ça m'a vraiment vrai, impressionné ça. souvent. Puis. Puis là tu réalises en parlant au gars que il y a un rapport à. À un moment donné, on m'a même dit, puis ça, j'ai trouvé ça formidable, le gars il tiltait parce que son voisin venait de faire installer une trampoline dans sa cour. Comme tu sais, dans une grosse main. il était comme Tabarnak, mais une trampoline, -ce que ça veut Le voisin, il ouais, le voisin. Fait que là, tu sais, le, le concept du voisin gonflable. Oh là. my god, okay, fait que ouais. là, il était comme il faut que j'ai une meilleure trampoline puis là il checkait ah. les trampoline puis là j'étais comme hey man parle-moi donc d'une affaire qui est pas est dans mon ça. Ben ça ça pas ça valeur, ça, ça c'est typique le genre de gars qu'un un moment donné, ça claque c'est ça ça appelle ça les paiements ça, ça essaie de cacher les affaires tout le... pour être franc ça nous arrive vraiment de moins en moins parce que le monde sont comme on veut pas se faire roaster dans un vidéo maintenant <rire> <rire> Ah non, non, tu sais, je suis comme. Ils se reconnaissent-tu des fois, les clients, quand t'es rapide? Si, tu peux pas. Mais ils peuvent fait, pas non, les reconnaître. Non, 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 exemple, non. mettons que t'es avocat, c'est un médecin, mettons que c'est un gars, c'est une fille. Ah, on on, on tu change tout, vraiment, tu, tu peux pas te reconnaître. Tu peux pas. Fait qu'à chaque fois que tu parles d'un gars, dans le fond, tu parles d'une fille, à chaque fois que tu parles d'un médecin, Faut pas que tu le avocat. répètes parce que là. On change. C'est ça, tu sais, comme le corps de l'histoire est là, mais mettons. T'sais, si on dit ça, là, on sait, mais, euh... mais, mais mettons, moi, ça m'intéresse, euh, vu que t'es là, puis t'es un des meilleurs conteurs que je connaisse. T'es es excellent conteur. Ouais. Oh, euh, thank you. C'est quoi, mettons, l'histoire la plus impressionnante, la plus rocambolesque que t'as vécue, mettons? T'sais, genre Je sais que t'en racontes beaucoup, là, mais il y en a t une que. Phil, toi, toi en tant qu'humoriste, t'as pas vraiment demandé à quelqu'un, conte-moi oui. l'anecdote. Non, mais. <laughs> peut-être es pas, pas obligé. D'abord, je m'excuse. J'ai fait attends. honte à Thomas, visiblement. Non, non, non. Mais... réfléchir. Ouais, parce que... Parce mais donc, que... ton, 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 ton premier ou ta première cliente? Ah, oh, ben ça, ma pre... oh, mon premier client, ça, on a fait une vidéo là-dessus, là. Écoute, je venais de commencer dans l'industrie, là. Puis tu sais, justement, j'étais dans le négatif dans mon compte de banque. il fallait que je trouve une solution. Puis porter... j'allais porter des lettres dans la nuit, porte à porte, est -ce que je cuisais dans les portes pour essayer d'avoir des clients. Ça compte ça, ça, c'est là, Ouais, en fait, ce que je faisais, c'est que moi, j'étais comme, faut que je trouve une manière économe d'avoir des clients. Puis tu sais, tout le monde parlait de faire du Google AdWords, etc. Puis là, on, on, on avait commencé les vidéos, mais tu sais, c'était… On venait de commencer. Ouais, en fait, comme 15 ah, views, il y il, il, il avait 15 views, ça marchait pas, puis on pensait pas non plus que ça allait pogner aussi vite. Moi, mais dans la ma tête, c'était dans un an. Fait que j'étais comme, bon, ben, Google AdWords, il y en avait un qui payait 500 ou 1000 par mois, ça y générait. Des, des fois, aucun lead. Là, j'étais comme ben, oublie ça, je peux pas faire ça. Puis le monde il me disait Fais ça, fais ça, fais ça. Mais moi, davantage ma comme Google AdWords, c'est genre passif. C'est tu mets ça. T'espères que ça amène de ouais. quoi, mais tu ne crées pas trop d'attente. Fait que j'étais comme, il faut que je fasse genre du marketing agressif. Là. Genre, je m'en viens de chercher. Genre, je te veux. Fait que j'étais comme, bon. Puis j'avais commencé à faire des calculs. Puis quand je faisais imprimer des lettres, plier, puis que moi-même, je les rentrais dans des enveloppes, ça me en revenait à 13 cents la lettre. comme, Chris, si je peux aller emporter 1000, en porter 1000, ça me revient pas ouais. trop cher. Ça revient à quoi? 130$, 130 mettons, pièce. pour 1000 lettres. Puis j'étais comme, j'ai aucune idée, ça va m'amener combien de clients? Fait que j'avais fait faire une lettre tu sais, que j'avais rédigée tout au complet moi-même puis je l'ai fait corriger par euh, la mère de, de mon ami mais elle, elle l'avait quoi C'était rendu là corporate as fuck. Non, 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 ça marchera pas. Moi, je veux que la personne, autant que je repensais en vente, c'était quoi ma force? Je suis un humain, je suis là, tu as l'impression que c'est ton, ton chum. Fait que j'ai genre fait la lettre, mais j'ai fait juste ma corrigée. Fait que tu sais, l'écriture était plus grosse et tu voyais que c'était moi qui avais fait de la lettre. Wow, hein, okay. C'était pas quelque chose de corporate. Puis j'avais mis un genre de QR code que quand tu scannais, de un, moi je voyais qu'il y avait quelqu'un qui avait scanné le exact. QR code. Puis de deux, tu avais un genre de vidéo de présentation qui expliquait justement c'était quoi un Tu sais, Justement, puis pourquoi tu devrais m'appeler, etc. Que je suis un banquier privé, etc. Puis, puis, puis tu avais justement mon numéro de téléphone puis mon courriel. Fait que tu payais puis ça m'appelait direct. Fait que je, je commence à aller faire ça. La première fois, je fais ça dans le jour. Mais là, dans le jour, d'un, un, je ne pouvais pas skipper sur les terrains. Parce que c'est un peu malaisant, maintenant que le gars, il est hors, tu tu passes sur son terrain, fait qu'on faisait d'autres. <laughs> ouais, je comprends. Je ne veux pas, moi, lui, c'est ça. Est ça. Est exact. Pas cool. Mais là, c'est con, là, mais ça paraît pas plus long, là, mais tu fais ça à tous les terrains à mais la place de juste. Distance. skipper. Exact. A... Puis là, un matin, une madame m'arrête. Ouais, tu fais quoi, toi, etc. Puis si, ça. Là, man, tu, pars, tu pars une demi-heure. <laughs> en plus, il fait chaud, il fait 30, tout ouais. le kit. Là, ça. Fait que là Puis Tu travailles pas que tu fais ça Hein Tu travailles pas euh, que tu fais ça hey, Mais attends, En même temps Travailler J'ai pas vraiment de dossier Fait que là Ce que je fais C'est que j'ai commencé À faire ça dans la nuit D'un il faisait bien moins chaud De deux Je faisais passer ces terrains Je me faisais pas chier Ça ça me fait mourir rien, ah. Toi qui traverse les plumes Ah ouais Ah ouais ah, ah, Des ah, <laughs> fois je suis plus là Mais dans, dans des affaires Je suis comme Mais Colin fais <laughs> ça tu sais <laughs> Puis là, ben, ce que je faisais, c'est que. Là, comme... que est pas pro... est... On est proche du vandalisme, j'adore ouais, c'est comme. tu T'as l... eu peur deux, trois fois. et hey non, hey non puis pas juste ça. puis des fois, en fonction des quartiers, des fois, c'était plus comme des quartiers de plexe. Mais des ouais. fois, il fallait que mettons tu descendes des marches pour aller squeezer. Mais là, t'étais dans une genre de petite affaire. Puis là, le chien jappait en plein Génial. milieu de la nuit. Puis là, mais. Ben, <laughs> genre, mais ben, la lettre, elle voulait pas squeezer dans la petite porte. Fait que t'as l'air d'essayer de rentrer par infraction. L'enfer. Hey man, je mets chiais dans un culasse. Ça marchait. chaque fois qu'on allait emporter 1000, ça m'amenait à peu près deux clients. Deux Par nous, euh, c'est-tu bon deux clients Ouais. Cool, hein? Mettons exemple, tout dépendamment, tu fais le calcul à peu près, une hypothèque moyenne en ce moment, c'est à peu près 350 000. Tu mettons un point tu vas chercher, je sais pas moi, 2000 000, 500 à peu près, tu Fait que tu es, es rentabilisé, tu sais. Ah ouais. déjà ouais, fait un peu poignée d'ennui, genre sur un terrain à quelqu'un, puis il fallait que tu t'expliques ou... Moi, ça ouais, ouais, mais je partais en courant. <rire> <rire> courant. <rire> courant <rire> ça avait arrivé une fois, je pense qu'il était 3 h le matin. Il y a eu un choc. Tu le faisais d'ennui, oh, nuit, Écoute, là. je me levais à minuit et demi. Mais pour avoir mille, il faut oh, que tu ouais. fasses des Exact. Pas. Non, non, je Parce que me... je faisais cinq, en 6 h, je pouvais en faire 500. Fait que je m'arrangeais <laughs> qu'à 7 h, 7 h 30 c'était fini. Wow. Parce que le monde commençait à se lever, puis ça commençait à être malaisant. Tu les croises quand ils vont travailler. C'est vrai que. Il est 7 heures, tu fais ton café, puis t'as le gars qui vient porter une lettre, c'est bizarre. Je pense que t'es un toxicomane. ou Ouais, puis pas mal. juste ça, parce que d'infos aussi, c'est qu'il y a des sortes de maisons que c'est fait que c'est tout vitré, puis ouais. ça donne sur, sur genre, le salon fait que là t'es là en train de squiser à carte, puis il est là en train de faire son café maintenant t'es comme hey Colin, <laughs> je vais juste faire tomber la carte à <laughs> ma crissé mon calme, tu sais <laughs> fait que dans la nuit ça allait bien puis ce que j'ai réalisé c'est que ça, par nuit maintenant j'étais capable d'en faire 500 c'est con mais il y avait des quartiers maintenant que je savais que c'était des jumelés maintenant en rangée, mm. ça c'est que ça allait bien oui, bah, fait, fait que c'était rendu qu'il y avait des types de propriétés comme Chris je suis rendu facteur là tu sais c'est oh, ouais. <laughs> rendu ça mais il y a des cuisses c'est con mais là justement de mes premiers clients que j'ai eu c'était comme dans le coin c'était, je pense, c'était même pas de, de ça. C'était d'une publicité Facebook que j'avais faite. Parce que la même vidéo, que c'était la vidéo de présentation, j'avais mis de la pub Facebook. Puis il y avait un client, c'est dans le coin d'Oschlaga. Il, il m'appelle, ouais, j'ai vu, écoute ta pub, etc. Blablabla. Tu euh, j'aimerais ai, ça. Euh, faire mon renouvellement avec toi. Et il dit, c'est genre 120 000. Là, j'étais comme, hey, écoute, pas trop, Steve. Genre, je m'en viens chez vous, tout le kit. Le gars, il habite dans un genre de plex, mais lui, il avait une propriété, tu sais, dans le coin de Matagami, mettons. Wow, là, ouais. genre, là, vraiment fucking loin, mm -hmm. là, un genre de shack. Puis là, il est comme, euh, faut que je renouvelle ça, mais là, j'arrive chez eux, écoute, il doit avoir quatre familles dans le logement. <laughs> tu arrives là, puis il y a genre des botches. Genre, tu sais, comme, il y a genre des. C'est comme une table plus petite que ça en bois, mais il y a des trous de botches dans la table. Ils sont tous assis, genre, me sur le divan en ligne, ça tousse, mais tu penses qu'ils vont mourir à la fin du tousse, <laughs> Je te jure, man, j'étais comme. Puis moi, je suis là, j'arrive, là. Ah ouais, tout est. J'arrive en saute, là. Écoute, le gars, il me parle, et il manque la moitié de ses dents dans la bouche. Je capote, man. Là, je m'assieds. à. Tu regrets-tu, Martino hein? à ce moment-là? T'es-tu comme ah, J'aurais dû rester chez Bro. Je suis comme honnêtement, là, j'espère que ça sera pas de même tout de temps. <laughs> je suis okay. comme je ferai pas long feu dans ce business-là, c'est sûr et certain. Mais en même temps, j'étais comme peu importe ce qu'il faut que je fasse, vais le faire, Puis tu sais, justement, j'avais, tu sais, moi justement, j'avais jamais vu des avis de cotisation, etc. Puis j'avais dit au gars, parce que même moi, j'étais comme euh, j'appelle mon chef d'équipe parce que j'étais encore stagiaire durant ce mm -hmm. temps-là. Là, je suis comme, écoute, quand genre que c'est un salarié qui travaille comme genre infirmier, qu'est-ce que ça me prend comme papier? Oh, quand écoute, commence par un T4, lettre d'emploi, puis un talon de paie. OK, mais lui, OK, ça va te prendre des comptes de taxes. C'est quoi ça, des comptes de taxes? Bon, relevez pas t un quoi? Tu sais, j'ai aucune idée. Fait que là, moi, je dis au gars, prépare tes T4, lettre d'emploi, talon de paye, avis de Fait que là, moi, je lui demande tout, parce j'ai aucune idée, c'est quoi? Déclaration de revenus, tout. Écoute, quand que je vois la table, non seulement c'est pas trié, il y a une pile de documents qui, est, mais pile mail, c'est une pile. Fait que le ok, fait que euh, tes papiers sont où. Ah ben check mais mais ben, mis ça sur la table, sa fameuse table qui est l'eau des botch. Là ben je check les papiers, je suis comme ok mais la vie de cotisation elle est où? Il dit ben c'est là. Je suis ah oui oui. Ah oh, mais tu vois, ben oui. Mais ben, moi j'ai aucune idée. Je suis comme ben oui. Ah ok c'est ça ok c'est. Là ben, ben, je commence à essayer de scanner tout genre les papiers. Ben, ça je suis comme, garde. Fais juste tout scanner, elle a l'air de connaître tes affaires, scanne les papiers, crise ton camp, puis tu checkeras le dossier de ton chef d'équipe. Tu sais, elle euh, ouais. qu'est-ce qu'il manque. Excellente qu stratégie. Là, man, je scanne tous tes papiers un par un, mais c'est fucking compliqué parce que c'est la première fois que j'utilise ça. Là, je scanne, là, là man, je suis rendu à la fin de peut-être 100 pages. Là. Ça sauvegarde pas, man. Oh non. Faut que tout, je recommence, cest Ça fume en dedans, man, c'est dégueulasse. <laughs> Je finis par les animaux Il y a toujours les animaux. Il y a toujours les animaux. C'est connu, je pense. Je pense que il y a un chat. C'est vrai. Ça sent... la vieille crise de l'huitième. Il y a tout le temps, les animaux. Il y a tout le temps. Le chat qui a haït tout le monde. Oui, c'est ça. Ou les colleurs. C'est la affaire Non, mais c'est... inquiète-toi pas avec mon chat. Il est un peu. Oui, c'est ça. Les colleux. Il est fucked up. Ouais, c'est ça. Là, man, je pars avec tous les papiers. Là, Je me rends compte qu'il y a bien des papiers qui sont pas nécessairement bons, mais je suis comme, regarde, on va starter avec ça. Là, je regarde, on va l'envoyer avec tel prêteur pour telle, 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 telle raison. Il est comme, OK, c'est beau. Tu sais, même mon chef d'équipe, il est comme PC, man. Ouais, wow, c'est quoi tu fais, là? Je suis comme, écoute, un deal à 120 000, c'est un deal <laughs> à 120 000, c'est bien mieux que zéro. Moi, j'en ai même pas à dire. Puis lui, tu sais, ça fait genre 15 ans qu'il fait ça. Ouais. Sa clientèle, c'est de la clientèle autre gamme. Puis tout, je suis comme, on n'est pas à la même place. Puis il est comme, ça me rappelle mes débuts, man. Je suis comme, exact, exact. exact Envoie ça à la banque. Ça, 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 ça finit par être approuvé, toute tout le kit. Puis là, le gars, il me dit Là, écoute, moi, genre, euh, je voudrais m'ouvrir un compte de banque avec, genre, la même banque, mais là, tu sais, c'est compliqué, hostie. Puis là, genre, mais je peux. Là, finalement, il commence à trouver ça trop compliqué de signer des documents électroniques. Puis il comment Écoute, finalement, tu sais, tu j'aurais peut-être dû passer par, par ma banque. Puis, tu sais, c'est la première fois que je passais par un courtier. Puis, je fais Écoute, c'est pas compliqué, on, on t'envoie tout. Tu fais juste payer, signer aux places. Puis si as des questions, ouais. on, on en parle, là. Ouais, ben là, Internet, là, en tout cas, le gars, il doit avoir, je pense, là, peut-être, 67, 68, 69, tu sais, fait que euh... là, je suis comme, OK, OK, OK. Mais là, il dit, là, il dit, moi, là, il va falloir que tu viennes avec moi à la banque pour m'ouvrir mon compte de banque. Pas de trouble. M'en <laughs> viens, mon René. Je pense que c'est trouble. Je pense que c'est trop du trouble. Je m'en viens, je m'en viens. Là, man, je m'en vais. On se rejoint à la banque dehors. Chris, on rentre. La fille, elle nous regarde comme... T'es-tu en train de frauder le monsieur là? <laughs> elle, 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 elle pense que comme Ouais. Fait que là, il dit, Ouais, il dit, je m'en viens m'ouvrir mon grand-père un, un, un compte il, de la banque. Je suis son ouais. ouais Fait que là, il est comme ben là, toi, tu fais quoi? Genre, ben je suis un courtier pataquer Là, le directeur de la banque arrive, il dit Ouais, est-ce que est-ce qu'on peut vous aider? Je suis comme ben, je suis un courtier pataquer okay. <laughs> Là, il est comme écoutez-le. OK. Là, il s'en vient <laughs> ouvrir un compte. Ouais. Fait que là, euh, là okay, <laughs> Il commence comme l'ouverture de compte. Là, ils sont comme Ben, est-ce que tu voudrais des cartes de crédit? Il me check Est-ce que je veux des cartes de crédit? <laughs> Je suis comme, ben, veux tu veux-tu une carte de crédit ou non? Là, comme... <laughs> comme, tu sais, je. Là, comme. Je suis comme, tu as besoin Il est comme, non, non. Ok, non. Là, moi, je suis <laughs> malaisé. Je suis comme, garde, finis ça, là. Je t'attends dehors. Là, je suis en avant de la succursale. <laughs> Pendant au moins 45 minutes de bout, là. Oh, ben, c'est compliqué. Fam. Ah, c'est long, tout. Comprend rien. <laughs> tu comprends veux, rien. Veux, veux tu veux-tu des cartes? Je veux-tu des cartes? Ouais. C'est de la meilleure affaire. Je suis comme, comme honnêtement, man. Le chat là, je suis comme. Impossible là, que ça se passe de même. Là, là finalement, on finit par partir, et ils se rendent à terre tout. J'avais l'impression de l'avoir fraudé. C'est vrai? Ah, J'étais comme Chris. Tu sais, c'est comme. Littéralement, c'était comme. Est-ce est que je m'ouvre un compte tout? C'est ben sûr que d'avoir ton hypothèque avec la même banque, ça peut être plus simple, t'sais, tu veux faire des virements, tu as une marge de crédit, etc. Ouais. Tu n'as-tu besoin. Mais pourquoi? Mais... truc que j'ai observé, là, frauder du monde, ça prend pas de l'intellect, ça prend pas de morale, Puis ah, ouais. ouais, C'est pour ça que j'étais comme ça, c'est typique. Comme, moi, mettons, genre... J -j -j jamais que je vais frauder quelqu'un. Mm -hmm. Mais lui, ça aurait pu être le typique gars qui se fait dire oui. qui se fait bourrer de merde. Puis il sort de là, puis ça lui a coûté. Mais il y a un documentaire de la terrible, Exact. -lu lui, lui, il a aucune connaissance. Ouais. Tu sais, les, 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 les spams qu'on reçoit, qu'on qu n'a pas rapport ouais. là, dans, dans nos textos qu'on efface. Si, non, si on en reçoit autant, c'est ouais. quasiment ouais. qu'ils faut. Font... Ben oui, bien sûr. C'est mais ça. oui. Mais oui, parce que es comme même si j'en pogne 10 sur un million. sais le gars, il se dit Christ, c'est gagné. » C'est horrible ce que je veux dire, mais c'est comme tes lettres. Tu sais, c'est con, c'est con, mais exact. Fait les lettres, finalement, ça a quand même marcher comme un peu. Mais là, tu t'es tanné, là, de... la nuit. Euh... Ouais, ça a duré, que je que pense, un mois et demi, ouais. Je pense que je t'avais ouais. Oh. tous les jours, un mois et demi, oh, la Ah, j'étais comme... Motivé. Hey, en décembre, là, mettons, trois mois plus tard, je t'ai rendu à moins 32 000 dans le compte de banque. Oh. C'était vraiment pas été oh. comme que je pensais que ça allait aller, là. J'étais... À... T'as-tu un... un moment... T'as-tu ouais. un kick comme un... Qu'est-ce qui se passe pour que tu sois pas moins 32 000? Ouais, oh, c'est ça. Ben là, c'est parce que, tu sais... En plus, en novembre, j'ai engagé, euh, qui était un de mes meilleurs chums, qui était aussi mon coloc à l'époque, parce que là, lui, il venait de finir son cours de courtage, puis lui, il voulait travailler pour une compagnie, euh, à salaire, parce que lui, il, a, il, a, il, a, il avait peur du risque, qu Il qu'il mm. comme, tu sais, je préfère aller me faire payer, mettons, 60, puis comme être, je comme, garde. écoute, honnêtement, je pense pas que c'est la meilleure des options, là, mais j'ai dit, regarde, moi, je suis prêt à faire le quoi avec toi, je suis pas sûr, là. Mais on pourrait essayer de se partager ma marge, là, vivre là-dessus les deux, mais j'ai dit là, ça roule tellement parce que là, justement, là, oups les vidéos, ça avait commencé à marcher. Mais là, le monde, on avait ouvert une genre de plateforme Calendly pour de la prise de rendez-vous. Mais moi, mais j'avais rien seté. Fait que le monde bouquait des rendez-vous, tout Des fois à 5h le matin, 6h, 7h, je suis comme qui... Tu sais, j'étais comme je ne vais pas le setter ou oh, personne va bouquer à 5h le matin, là, un rendez-vous. Ouais. Ça bouquait. Mais là, tu sais, c'était un, deux, trois rendez-vous. Puis au début, c'était comme Ouais, là, écoute, mais ben, j'ai vu tes vidéos. Là, c'était première première fois, fois que j'avais du monde que... J'ai vu tes vidéos. Mais là, moi je suis comme Christ le gars, c'est un malade mental. Non, 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 mais ça, on <laughs> va dire, je, comprends, je comprends. Tu vois quelqu'un sur Internet qui dit genre Hey, bon, ben voici comment mets-toi une marge de crédit pour ta cœur, ça marche. Voici comment tu capable. Ouais. Puis comme tu l'appelles. Puis là, j'ai fait, tu sais, le monde, je trouve, qu'ils prennent pour acquis que comme Good, mais je fais des vidéos. Surtout à Star, c'est comme le monde dit ah, Ok, ouais, mais check PC, il a fait ça, ça marche. Puis là, t'es comme à l'inverse, moi j'étais comme surpris de comme man faut-tu que je dégage de l'authenticité pour que tu dises Good, mais moi, je le hein? je, 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 je connais pas, j'ai aucune idée c'est qui mais je vais prendre le téléphone puis je vais l'appeler. tu sais. » Puis là, whoop, je commençais à aider le monde, etc. Puis là, pour un, un deal, deux deal, trois deal, puis là, mané, oops, j'étais genre bouqué une journée d'avance. Là, je suis comme tabarnak, man, à tous les jours, je prends le téléphone, etc. Genre, puis là, tu sais, on faisait beaucoup de plans de match, etc. Puis les deals au début, c'était comme plus rough, justement parce que. Il faut-tu que tu te fasses connaître des banques, tu sais, la première fois que t'appelles, mettons, ben, oui. des... tu sais Du sens que comme les noms dits mettons, c'est que veux-veux pas, là t'es un no body là ta, ta gestionnaire ça sera pas euh, la top des gestionnaires non, exact, ça, ça. ça sera pas celle qui connaît toutes toutes ces affaires ça, ça sera pas stavière. celle qui va faire approuver mais des exceptions en, à haute direction tu mm -hmm. genre fait veux, veux pas c'est con à dire mais tu as un effet domino là. Mm -hmm. plus que tu roules puis plus que tu sais, tu peux faire fonctionner le dossier parce que plus que tu as de connaissances, puis plus aussi que le monde d'un banques, ils veulent t'aider, là, tu sais. Parce que c'est con, mais des top courtiers, ils n'ont pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est pas un domaine tant, tant connu, etc. Puis mmh. la compétition bancaire, on se rend pas compte à quel point qu elle est féroce. Tu sais, comme les banques, là, genre, ils veulent la business de l'autre. Puis comme, tu sais, c'est eux... J'avais aucune idée. Moi, mon idée, c'est que les banques, ils sont ouais. plutôt à coquiner ensemble. ben eux, ouais. ça, ça, ça aussi, c'est pour ça que quand même, maintenant que le monde m'appelle, c'est comme, oh, tu on magasine un taux, un taux, un taux, je suis comme... Les banques en bout de ligne, tu n'auras pas un écart restit, de mmh. catastrophique, là, dire, parce qu'ils se tiennent toutes aussi, là, tu comprends-tu? Mais maintenant, tu vas passer par moi parce que oui, c'est automatique tu vas, tu, faut que tu vas avoir le meilleur. Mais ben c'est parce que tu veux du service puis tu veux quelqu'un que si ton projet change ou whatever, comme tu vas avoir le meilleur. Là, de, de commencer, toi, à perdre ton temps puis perdre des semaines puis des mois à venir négocier, ça te coûte probablement plus cher en temps que juste genre mm. signer avec ta banque. L'exemple ah, que tu peux faire ton propre rapport à... d'impôt. Ouais, tu peux faire Tu peux faire ton propre rapport d'impôt. Il y a déjà un économiste qui dit ça. Moi, je suis, je suis économiste. Je peux faire mon propre rapport d'impôt, mais dans ma vie, je vais en faire 50. Le comptable que j'engage, j'avais 75 par année. C'est ça. Mm -hmm. Tu sais tu connais c'est pas, pas, pas nécessairement comme les twists mais les promotions puis même un temps de l'année puis c'est pour ça que même encore aujourd'hui tu sais avant mettons sur, 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 surtout au début tu sais j'étais comme OK non mais le domaine il faut que quelqu'un fasse affaire avec un courtier tu n'as rien à perdre tu tout à gagner Mais là aujourd'hui je suis comme honnêtement tu sais, même juste les promos bancaires, d'un fois, deux semaines, je peux te dire, OK, good, bon, on va aller avec telle banque. Deux semaines après, tu me rappelles, hey, finalement, c'est telle banque. Hey, finalement, c'est banque. Là, finalement, juste en fonction de ta qualification de revenu que tu as telle dette, ou etc. Tu sais, comme, il y a tellement de variantes que même si par vidéo, dans toutes les vidéos que je pose, je t'explique, ça se peut que dans deux semaines. Tu pourras pas le faire toi-même. Ah ouais. Tu sais, parce que, oui, mettons, tu, tu peux dire, OK, bon, mais je vais calculer, maintenant ma capacité d'emprunt. Parce que. Des fois, il y a du monde qui comme Ouais, mais moi j'ai calculé mes ratios puis c'est ça. Ouais, pour telle banque, t'as tel ratio. Comme des fois, maintenant pour une banque, maintenant ton ratio, ça va être 35 pour un autre, ça va être 52%. Pour un autre, ça va être 44 Parce qu'ils qualifient les choses toutes différemment. Le revenu, les dettes. Fait que c'est pour ça que comme... Casse-toi pas à la tête à essayer, tu sais comme oui, tu sais c'est pour ça que ce que j'aime mettons, des vidéos c'est un peu de l'éducation financière ouais. indirecte, du sens que comme économiser etc., pis tout, mais tu sais de commencer à, à, à tu sais vouloir maintenant faire ma job, tu perds ton temps. Tu sais du sens que comme ouais oh, ben là tu je suis checké et tout. Casse-toi pas à la tête avec ça, tu sais. quelqu'un qui veut faire ta job ouais. sérieusement là, ouais. il veut ton métier. Ouais. Il y a 19 ans. Ouais. On fait quoi pour elle le plus c'est que c'est pas super compliqué, ça se prend, ça se prend je pense juste un secondaire 5 puis tu sais moi je l'ai fait avec le collège Cei. Okay. Ça m'a pris, je pense quoi, deux mois. C'est pas super long comme formation. C'est comme, euh, c'est un peu comme une formation de courtier immobilier, mais pour courtier pas sais. Mais, euh, tu sais, ce qui est important de faire attention aussi, c'est que, ce qui va être le plus, t'sais, parce que dans, dans, dans le cours, tu sais, ils t'apprennent pas la réalité de la chose. C'est un peu comme dans tout, tu sais, du sens comme que. Les ouais, tout tout ça... les on, cours, parle, on parle là, des ça, enseignants, on, ils ont le même discours. tu sais, a, a... c'est des... toi qui défends l'école de l'humour. Moi, je défends l'école de l'humour parce que je trouve que ça a beaucoup de valeur. Mais OK, je vais parler de l'école de l'humour, c'est pas vrai. Mais l'école de théâtre, mettons, ça, ça a l'air con, là, mais ça te prépare zéro à ce à quoi tu vas être confronté pour vrai. Ouais. Ça t'apprend théoriquement pas... ce que c'est la vie idéale. Ça t'apprend comment jouer Racine, puis tu sors, puis tu des ondes de yoga ah, c'est Il faut que tu avant d'en faire. Exact. Puis hein, comme coursier potaqueur, c'est fou, mais c'est carrément ça, du sens que comme tu sors de l'école, tu penses que tu connais tout. comme je connais les ratios, ouais. je connais les produits, je connais les. tu es comme je suis prête, je connais comment lire un bureau de crédit. La vérité, c'est tu te rappelles plus comment lire un bureau de crédit. C'est toutes des ouais, affaires ouais. que comme faut que. Puis là, mettons, exemple, sur papier, il dit Good, mais ben, faut que la personne aille un, 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 mettons, un bon historique de crédit pendant un an. Ouh, OK, good, mais pourquoi qu'on a fait passer un dossier que le gars, il y a eu un retard, ça fait deux mois? Good, parce que, tu sais, t'expliques, tu sais, en finance, c'est gris, tu sais. Puis après ça, le vrai travail d'un courtier hypothécaire, c'est, good, mais, T'es un t'sais, es travailleur autonome. Il n'y ouais. a personne qui va cogner à ta porte. Hey, écoute, salut, moi, écoute. C'est comme. C'est comment... toi qui vas venir. Exact. C'est comme comment que tu vas aller chercher un des clients. OK, good, mais, mais t'as le client mais qui vient de voir. Comment tu vas lui donner un bon service? Mais comment que tu vas y parler? Comment, comment que tu vas le rassurer? Mais qui a 14 jours pour son astuce d'achat, qu'il y le gars, man, mais il est sur le bord de claquer. Est-ce que tu vas l'envoyer chier parce que tu comprends pas, mais c'est la réalité? T'sais, tu vas être empathique? Mm -hmm. Comment tu vas. C'est ça, la vraie job. Que pour ceux si tu comme... juges le monde. Ton métier, ça peut non. être bon. Exactement. Puis, c'est pour ça que là, maintenant, il y a dans tout le monde qui se lance là-dedans. c'est correct, c'est un beau métier, c'est une belle job. On travaille tout le temps en télétravail, t'sais, es flexible au niveau de tes horaires. Mais t'sais, de dire comme je m'en vais là-dedans, c'est facile. C'est de la marde. C'est un peu comme c'est quand courtier immobilier, ça a une super mauvaise réputation, puis le monde s'en va là-dedans parce qu'ils veulent faire de l'argent. Je connais des excellents courtiers, mais la majorité du monde qui s'en va là-dedans sont pas bons parce qu'ils s'en vont là-dedans pour les mauvaises raisons. Puis ce qui, ce qui me fait peur, c'est qu'avec le temps. Le, le courtage hypothécaire devienne de peut-être ah, comme ça. Ouais. Parce que, que, que tu sais, ça réputation. va devenir de plus en plus comme médiatisé. Puis là, tu sais, je veut je veux pas le monde entendre parler, maintenant de ce qu'on fait, etc. Puis ça, on se dit « OK, ouais, mais nous autres avec, on, on veut faire ça. » Mais comme, tu sais, c'est... Moi, moi j'ai deux questions. Euh, je veux pas t'interrompre, Thomas. Mais j'ai deux questions pour toi. La première, c'est comment... Euh, ben je sais pas si... Je, je vais te la poser de même. Comment tu gères l'aspect la, célébrité de, de ta vie? Parce que j'ai l'impression que c'est nouveau, ben nouveau ouais. en tout cas, c'est un fait. Puis deux, c'est quoi aussi tes ambitions? Tu sais, comme PC là, dans, dans, dans 5-6 ans, cette espèce de question un peu plate-là, mais comme ouais. c'est quoi tes ambitions ouais. euh, parce que t'es un gars qui a une drive, visiblement. Ouais. T'as des gars, as un gars qui ont a des projets. Fait que ça m'intrigue de savoir ouais. où tu te projettes. Ouais. C'est sûr que tu sais, niveau de. Mettons, célébrité, c'est ce que je trouve un peu le plus particulier, dans le sens que, comme autant d'un fois que, tu sais, comme le monde, ils viennent me voir, ouais. ils ont l'impression qu'on est des meilleurs chums. Fait que, tu sais, <laughs> genre, moi, maintenant, mais je les connais pas, par contre, je trouve ça super cool, du sens que, tu sais, je trouve qu'il y en a des fois, tu sais, pis je ça, c'est un stéréotype, là, j'en ai-tu ai déjà vraiment vu, non, mais j'ai déjà entendu des affaires, tu sais, justement, que ça leur monte à la tête, ou whatever, ouais. ils croisent du monde, ils se pas quelqu'un d'autre. Moi, tu sais, c'est vraiment l'inverse, du sens que, tu sais, le monde, souvent, ils vont dire, Chris, man, c'est fou de voir qu'en vidéo, puis en vrai, T'es exactement le même Jack, tu sais. Puis que quelqu'un vienne me voir, maintenant, qu'il me dise, tu parce qu'il y en a d'autres, comme, ah oh non, 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 on va faire comme si je sais pas c'est qui, pis je vais, je, je vais... peu importe la carte que maintenant la personne va dire, elle va venir me voir, pis tu sais, genre, hey man, c'est nice que tu fais, je trouve ça fucking nice parce que je suis comme, merci de prendre, tu comme, d'avoir le, les le gars, de genre venir le dire, pis tu d'avoir cette, tu sais, genre, wow, merci, puis à l'inverse, je vais va prendre le temps comme, on a eu un l'autre jour, je suis au promenade Saint-Bruno. C'était la première fois vraiment, tu sais comme ça fait quand même un bout que ça marche, mais là on voit que ça devient quand même plus gros que c'était. Il y a cinq personnes, je pense, euh, au cours de 15 minutes qui sont venues voir, Et non, gars, il y en a un gars qui devait avoir 14 ans. Le gars il monte son téléphone, puis il dit tu toi, lui, je suis comme Ouais. <laughs> » Là je suis comme, il dit Pierre Charles, il dit j'écoute toutes tes vidéos, il dit c'est malade, je fais je fais des vidéos de finance Le gars il a 14 ans, puis il me dit que hors d'acheter une maison à 18 ans. <laughs> Tu sais, comme, ouais. comme, genre, j'étais wow, comme, genre, waouh, genre, je trouve ça fucking nice Tu sais, je posais des questions, genre, mais c'est quoi ton nom? C'est quoi ton âge? Parce que ce que je me rends compte indirectement, c'est que c'est motivant. Tu sais, comme, moi, mettons, comme dans ma tête, même encore aujourd'hui, tu sais, mettons, mon éthique de travail, tout le kit, ça, ça me souvent, tu sais, j'ai pas un gros cercle d'amis, tu sais, mettons, j'ai mon, mon corps. C'est pour ça que moi, mettons, la, la loyauté, je suis quelqu'un d'hyper loyal parce que, tu sais, je travaille presque 16 jours par semaine, ma vie, c'est de travail, ma blonde, je suis chanceux, elle, elle a la même réalité que moi. Tu je suis comme, ça, ça coûte cher sur d'autres aspects de ma vie. Tu sais, mm -hmm. du sens que, comme, les parties que je vois pas, je vois, vois pas tant, soit ma famille. Tu sais, puis, je veux pas, mettons, dire ça pour, ah, oh, waouh, c'est triste. Non, pourquoi? Parce que moi, c'est ça qui me drive, c'est ça qui me rend heureux. C'est un choix. Hein? Exact. Ouais. Puis, c'est un choix. Mais j'ai eu, mettons, exemple, soit des filles que j'ai fréquentées, mais dans le passé, puis toutes qui viraient folle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme, ah, qu'on est malheureux. Tu commentes-tu? Puis, comme, exact. Puis, mais genre... <laughs> non, mais c'est ça. Non non. Monster, ah ouais. non, non. Non, non, non. c'est ouais, comme, OK, mais moi, c'est comme ça. Puis comme je négocie pas là-dessus parce que moi, mettons, j'aime... Puis c'est ça qui va connecter avec ta deuxième question. sans ce que j'aime vraiment... L'aspect de comme on va de l'avant, ça grossit, puis il n'y a rien qui peut nous arrêter. C'est comme toujours What's Next, parce qu'au travers de, de, de tous les jobs que j'ai eu ce que j'ai réalisé, c'est que peu importe le salaire que je faisais, parce que tu sais, même pour, tu sais, comme mettons, mais je suis c'était ma, ma plus grosse année, tu sais, j'ai fait 149 000, je pense. C'est moi, je suis comme Chris, un gars qui n'a pas d'études, man. Il s'est juste donné, mettons, à 110 mais dans quelque chose, puis là, je suis là en train de me dire, Ah, yo, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, comme, mettons, mm -hmm. souvent, on se on, on dit, OK, non, mais même que je fasse tel salaire, si je vais être bien, puis. Mais c'est à ce moment-là que j'ai fait peu importe. Genre, tu faisais 65, tu en fais 150 aujourd'hui. Il mm n'y -hmm. a même rien gars. qui change. Y a aucune Tu sais, comme dans ta tête, c'est la même affaire. Tes amis, c'est la même affaire. Ceux qui changent, je trouve, de quand ils font de l'argent, c'est sûr y ont un gros problème de confiance en eux. Là. Sinon, mais tu te sens au-dessus des autres parce que, tu justement, mm -hmm. parce que tu as plus d'argent, tu as, as un autre problème en dedans de toi. T'sais. Puis, genre, ce que j'ai réalisé, c'est que, OK, good, mais ça va toujours être next. C'est sûr que le cotage hypothécaire, je me suis lancé là-dedans parce que je suis comme, t es travailleur autonome. Genre, j'aime la. Tu sais, justement, plus jeune, mais j'étais passionné par la finance. J'ai toujours été bon avec, avec, avec le public. Puis, j'ai pris du recul. J'ai fait, moi, toute ma vie, c'est sûr que je vais être avec le public parce que, comme, j'aime ça. Tu sais, comme, justement, ce que je trouve le plus dur, parce que, autant, mettons que je suis partout sur les réseaux sociaux, que dans la vie, je suis super introverti. Genre, ouais. dans le sens, je suis dans ma bulle. Genre, je suis dans mon monde. Comme, je roule en char comme d'info, je suis comme good, mais je vais partir en char juste penser dans mes affaires. Tu au bureau, c'est très comme je suis au téléphone, etc. si le monde sont comme moi, oh, mais t'es pas autant, tu sais, comme. D des fois, en fonction, il y a certaines vidéos qu'on on a faites qu'on était plus coquille peut-être, etc. Pis, 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 ça. Pis, tout le monde va aimer certaines vidéos, puis moins d'autres. Si t'aimes 100 de mes vidéos, c'est peut-être pas normal. Peut-être que tu vas aimer un, <laughs> un gros pourcentage, ouais. mais ça, ça se peut que t'arrives, tu fais « OK, ça, je suis pas d'accord », puis c'est correct. Dit, ben ouais. Exact, puis c'est normal. C'est pour ça que des fois, d'aller à des places, maintenant puis que le monde, ils viennent me voir, des fois, je sais je sais pas tout à fait comment réagir mais j'aime tu je suis toujours super comme justement comme le jeune je suis comme OK ouais, mais tu veux faire quoi dans la vie etc. puis c'est ça parce que je trouve ça cool maintenant de me faire dire des affaires de moi parce que moi maintenant plus jeune jusqu'à récemment j'étais comme T'as un os de problème tu sais du sens mm -hmm. que comme tu trop tu trop là-dedans puis justement tu tantôt on, on, on parlait d'avoir des blondes tu je suis comme OK good mais tous tes chums, ils ont eu des blondes tout maintenant mais tu as 18 ans puis même après 18 ans je suis été avec ma blonde pendant 9 mois on s'est laissé j'ai pas eu de blonde pendant deux, deux trois ans puis je fréquentais des filles pendant deux semaines puis on se laissait parce que j'étais comme oh, ok non non, non. tu sais j'étais pas capable de faire à semblant, puis j'étais comme Chris, pourquoi tu sais la fille est bien correcte pourquoi je suis pas capable mm -hmm. je, je l'aime pas tu sais comme next 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 tu sais comme as un problème t as un inconfort. Mm »« -hmm. exact il y a quelque chose qui marche pas Tu es drivé par le, le futur à quelque exact part, fait ouais. que, puis j'en suis venu à un point que j'ai fini par accepter ça puis Je suis comme tu sais quoi si tu, si es, si si maintenant être seul ben c'est ce que ça va te prendre pour le restant de ta vie, ben tu, tu, tu le vivras de même, au moins tu vas être heureux, tu vas faire ce que tu veux. T'sais, comme le plus que j'ai commencé à accepter la personne que je suis, mettons, mais tous les aspects, le plus que j'ai justement comme j'ai rencontré une, une fille qui est exceptionnelle, qui est exactement comme moi. Même mettons, j'ai perdu beaucoup d'amis, mais tous les amis qui sont autour de moi, je ferais n'importe quoi pour eux. Mm -hmm. Ils sont genre dans la marde, m'ont payé le prix qu'il faut. Je vais tout faire pour vous autres. Même mon équipe, ils me reflètent à 100 parce que comme sont exactement comme moi. Fait que mettons j'ai pas l'impression de travailler avec du monde tu sais comme en fin de semaine on a, on a fait un souper chez nous c'était tout, toute mon équipe tu sais tu ouais, parce que mon exemple. équipe mmh. exact c'est comme, fou comment que quand tu arrêtes d'essayer de comme vouloir plaire ou genre whatever etc puis tu deviens toi-même à 100% genre je trouve que tu deviens vraiment heureux puis genre vraiment à vraiment comme, à, vraiment comme à, à un autre niveau puis après ça c'est pour ça que niveau mettons, du... du de comment que je le prends, je suis super reconnaissant de ça, Je je le prends pas pour acquis. Puis ça, je pense que, que justement comme cette année, on, on a eu les gars-là multiprès les gars-là euh, Desjardins. Mm. J'ai gagné pas mal tous les prix. Puis, Bravo! Thank you. Mais moi, mettons j'étais là, puis j'étais comme non, 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 comme, genre, je voulais pas aller là, puis je voulais pas me faire dire ça. Pourquoi? Parce que ça me fait peur. Parce que j'ai peur de devenir soft. Parce que le PC de comme il y est genre à moins 32 000 dans le compte de banque, il ouais. faut que ça marche, Puis là, le PC qui s'en va sur un stage. Puis qui se fait dire, hey, t'es numéro un au Québec, whatever, ou t'sais, genre, t'es le top. C'est comme, je veux pas prendre ça pour acquis. Tu as peur de la Exact. T'as-tu peur d'arrêter d'avoir faim, à quelque à, part? Exact. J'ai extrêmement peur de. Fait j'essaie toujours de me mettre dans ma ben, comme ton, 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 ton projet immobilier de bureau, puis tout ah, ça, C'est la raison pour laquelle on l'a fait. Puis même ça, que, Exact, parce que, tu sais, comme quand, que, justement, ça a commencé à grossir, je veux pas, en, en un an, on a changé trois fois de bureau. J'ai, genre, commencé, justement, tout seul. J'avais loué dans un coworking une place, c'était genre une tablette. C'était genre une table. Ça me coûtait <laughs> 300$ par mois. Puis j'avais accès aux salles de conférences, aux petites salles, etc. Là, je me justement, mais mon coloc commence avec moi. Je commençais à le payer. Là, on est deux. On prenait plus les salles de conférences. Là, j'engageais un adjoint après. Puis là, OK, mais là, il faut qu'on prenne un plus gros bureau. Là, c'est con, mais là, c'était rendu 1000$ par mois, le bureau. pièces hey, 1000$ par mois, plus mon loyer de maison, etc. Ouais. Comment ça va avoir de l'argent? Là, oups, après ça, on engage une quatrième personne. OK, mais là, on commence à être tassé dans genre le 60 pieds carrés qu'on a pour 4-5 personnes. Là, on, on, on parle, puis les clients, ils disaient, c'est parce qu'on entend quelqu'un d'autre, ouais, c'est parce que ma chaise, c'était vraiment, c'était un bunker. Il n'y avait aucune fenêtre, c'était quatre murs. Puis j'avais dit, donne-moi le bureau le plus cheap que tu as fermé. Écoute, ça avait l'air d'une prison. <laughs> L'éclairage, là, c'était blanc, bleu, là. Quatre murs, tu rentrais à 7h le matin, tu partais à 10h le soir, t'avais aucune idée t'es rendu heure. Comme un casino à Vegas. <laughs> La là. même crise d'affaires. Pareil, pareil, pareil. <laughs> mais tu sais, c'est pour ça que c'était vraiment c'était du grind, c'était du hustle, c'était comme on aide le monde, tu sais, comme. Du moment que je faisais des calls aux 30 minutes back à back là, de genre 7h le matin jusqu'à 6h le soir, non-stop. Puis, tu sais, encore, puis, tu sais, c'est ça, l'affaire, c'est que le, 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 le plus que ça l'avancée, mais là, tu sais. Euh, après ça, on a changé de bureau vers un 160 pieds carrés. Là, on était rendu 4,5, etc. Mais là, déjà là, ça commençait à me faire peur. Pourquoi? Parce que là, on avait un coussin dans le compte de banque. Uh -huh. Là, on courait plus après l'argent, c'était comme good. Mais si le client n'est pas content, parce qu'il tu avait yeah, qui... Qui, qui, qui abusait, mettons, que justement, On faisait tout pour eux autres, puis ils chiolaient, puis tout. Je suis comme good, mais on, lui, là, qui prennent des affaires, puis fuck off. Puis là, justement, moi, euh, en vente, puis dans mes domaines, que j'ai travaillé, j'ai toujours haï le monde qui ont toujours dit le client a toujours raison. Parce que tu sais, je suis comme, mettons, on a eu des transactions, mettons, soit que j'étais dans l'automobile ou whatever qu'on a fait, que le client, tu sais, c'était vraiment, c'était un mangeur de merde. Mm -hmm. Puis tu sais, mettons que mon boss... Au Timurton, exact. Ton, le client a rarement raison. Exact. Le le client. Client, ouais. puis que, mettons, mon boss, il venait, genre, puis il venait, genre, il fait croire, là, que c'était le roi, ici. Je suis comme, c'est à cause de ce que tu fais, que le monde, il pense, là, qu'il rentre à des places, là, puis qu'il devrait tout avoir. Tu sais, comme, je veux que tu aies le meilleur service, puis je veux que tu me dises qu'il y en a, mais un manné, il y a comme un threshold que, comme t'abuses, là, tu comprends-tu? Puis moi, justement, mon honnêteté, d'un fois, va faire en sorte, puis je pense que c'est pour ça que justement te mets en vente, ça a toujours marché, je suis comme, hey, écoute, genre, sais, j'ai jamais eu peur, mettons, de dire à quelqu'un, « OK, garde là, mettons, mais ben, ça fait deux heures, là. » Est-ce que vraiment tu veux penser à ça? Lui? Il y aurait-tu de quoi qu'on peut faire quand t'achètes là Vraiment, mais tu veux y penser? Juste être sûr que s'il y a de quoi que j'aurais. Mm -hmm. Puis le monde après ça me disait, c'est vrai que t'as osé dire ça. Mais le client, il riait puis on se rappelait l'ange. comme non, non, parce que d'un fois, c'est con, mais tu vas partir par ego parce qu'il manquait deux pièces au deal. C'est ça ou vraiment, comme t'es pas sûr? Ouais. Puis c'est con, mais autant que le monde avait peur de dire ça, que ça, ça rendait le lien d'un fois encore plus solide. T'sais. Ah, c'est une confiance. Exact, c'est ça. Moi, mes amis, je leur parle comme ça. Ben, c'est ça, exactement. Je, je, mes amis, je j'ai pas de misère de leur parler comme ça. Moins je connais une personne, plus, ah, on va se donner pas ça. Mais moi, mes amis, c'est quoi le niaisage? Qu'est-ce que tu Exact, on peut être, on peut être Exact, exact. exact. Fait que c'était ça. Puis, fait que d'un fois, ça, j'haïssais ça. Puis moi, j'étais comme, je vais jamais être ce genre de boss-là. Puis j'ai eu des boss que d'un fois, exemple, tu faisais quelque chose. Parce que moi, justement, c'était toujours une coche de plus du sens que je voulais être le meilleur. Parce que justement, à partir de Bro Martino, je voulais plus avoir la réputation de coquille. Je voulais vraiment être la réputation de le gars, il est genre il est sur le spotlight puis en plus il était réprochable. Fait que mm -hmm. j'ai commencé à être le premier là, le dernier sorti aider le monde. Écoute, oups, ça a Our commencé. Exact, exact, vraiment parce que je suis comme là tu profites du fait que tu le plus facilement, mais si tu veux réussir vraiment au level comme créer le gap là, ouais. va falloir que tu sois tu sais comme que t'as le talent, puis le, le hard work. un mm -hmm. peu comme pour Kobe justement. Ouais. Kobe était naturellement bon, mais c'est une astuce malade mentale. Tu comprends-tu? c'est ces deux affaires-là qui faisaient en sorte que comme il a réussi à genre, ce niveau-là. Puis quand mettons que je faisais comme mettons quand que je faisais mais je faisais tout, genre la mise en marché, etc. Puis je faisais plus. Puis J'avais plus un peu que les autres. Je je voulais vraiment aider le dealer à ce que tout aille mieux. Ça dérangeait-tu le monde autour de toi, ça Ben oui, puis non, parce que c'était comme rendu justement à la présent c'est comme moi ouais, mais PC c'est PC je suis devenu ce gars là ah, c'était comme, comme, ouais, comme PC fait 32 chars par mois exact c'était comme PC fait 32 chars par mois nous on en fait 12. c'est ça puis c'est tout puis moi j'étais comme dans ma tête même parce que tu sais exemple parce qu'ils nous passons un démon maintenant tu sais tout le monde avait maintenant des A5 des Q5 puis moi j'avais un S5 moi j'étais comme ben puis là maintenant mon boss c'était comme ouais mais tu sais c'est pas correct non c'est correct tu commences-tu du sens que performe plus, tu vas avoir plus? Mm -hmm. Tu sais, moi, mettons, c'est ma mentalité. Mm -hmm. Puis, un année, moi, puis justement, mon boss, on s'était pogné solide. Je suis comme Chris. Je me donne corps et âme, Mais je travaille, j'en le double que tout le monde. Je m'arrange qu'on on pine des chars, que je rentre, j'en mets le double de profit que tout le monde. Puis, genre, tu me traites comme tout le monde. Genre, comme ça me dérange pas, mais genre, mais, genre, mais mon ananas, moi, je trip ces chars, man. Puis, j'avais été voir le VP de chez Woody pour lui dire tout ce que j'avais fait, puis il était comme fuck man, il nous a dit que c'était lui qui avait fait ça. <laughs> ça man, ça m'avait flabbergasted. <laughs> tu sais, genre des affaires, des, des il affaires. Avait il en... s'est approprié ton succès. Ah, puis ça, ça m'avait tellement mis en tabarnak parce que j'étais comme... Whoop, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être moins performant. Mais ben, la confiance était partie. La confiance était partie, puis j'aspirais pas à être comme lui. Puis dans ma tête, c'est important que la personne avec qui tu travailles, pas pour qui tu travailles, avec qui tu travailles, mm -hmm. parce que même si c'est ton boss, on est une équipe, tu comprends-tu? Mm -hmm. C'est comme, qu'on ait la même vision, genre, puis qu'on pousse tout ensemble. Moi, je suis juste là pour, OK, garde, faut qu'on fasse ça comme ça pour être sûr, Rasti, que. On tombe pas, là, tu comprends-tu, mais en bout de ligne, c'est vous qui closez les deals, mm. c'est vous qui faites ça, c'est vous qui faites ça. Fait que j'étais comme pio à aller, genre me piler sa tête, man, pas après ça. T'sais. Fait que là, pis je, après ça, j'ai commencé à genre m'auto-analyser, de dire, man, tu performes moins qu'avant, pourquoi? Parce que t'es pas fier de ton boss. T'as pas le goût de faire en sorte que quand lui, ça va rencontrer les VP qui montent les chiffres. Fait que j'ai fait, ok, mais toi, tu seras jamais ce genre de personne-là, tu sais. Fait que quand, mettons, moi, justement, que là, l'équipe, elle a commencé à grossir, puis qu'il y a des clients que justement, d'un fois, quand. Parce qu'au début, début. Tu sais, je faisais tout le processus de A à Z, c'est moi qui demandais des documents, etc. En tu sais, le monde, il se gardait plus une gêne. Pourquoi Parce qu'il a des vidéos. Mais des fois, quand il parle à quelqu'un d'autre de l'équipe, il s'en permet un peu plus. Comme, on récemment encore, là, il y a comme une couple de semaines, j'ai un nouveau Sean. Sean, c'est un artiste travaillant, puis toute le kit. Il connaît encore pas tout par cœur, mais honnêtement, là, il rappelle les clients, là, t'sais, deux genre, mais deux fois par il veut montrer qu'il est capable d'être bon. Puis il s'est fait ramasser un moment donné par un client. Puis Sean ne me l'a pas dit, mais c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Puis ils m'ont dit ce qu'ils ont dit, genre. Puis c'était vraiment comme « Mais là, tabarnak! » Puis là, il a ramassé. Puis là, « ben voyons donc, mais que vous m'en demandé mais tel, 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 mais ce document, tout... puis il l'a ramassé. Je suis comme « Sean, ça, tu me dis. » J'ai rappelé le client. Je fais, là, là, on fait pas affaire ensemble. Je fait oui, on Je fais, oui, man, on te demande. Je fais, tu penses-tu que ça me fait pas chier, moi, de te demander tel, tel, tel document que je paye, lui, OK, que lui passe, au lieu de passer 30 minutes, mais c'est ton dossier, faut il faut qu'il passe 6 heures. Puis, Tose, il parlait de même. Je fais, man, on a tout fait pour ton dossier. On t'a préqualifié, on a fait ça, on a fait ça. Puis, Tose, il parlait de même. On n'en veut pas du monde de même. Fuck off, on tire la plaque. Et je suis comme moi. Tu parles à moi. Tu parles à ouais. de mon équipe, tu parles à moi. Est, exact, on, est est une, on, est, on est une unité. Tu sais. Parce que je le sais que moi, je suis super exigeant envers mon monde. Puis on pourrait sûrement être plus, mais je suis comme On n'est pas plus. Pourquoi? Parce que la qualité, pour moi, c'est super important. Puis tu sais, genre, je sais qu'il se donne coréen. Puis tu sais, justement, à l'inverse, moi, je suis comme mon boss, man, il aurait fait ça. Si à un. À un que j'aurais fait, man, c'est un hostile malade. Tu sais, Fait que je suis mmh. comme il est prêt à perdre de l'argent pour que le monde. « Me manque pas de respect Je suis comme mm -hmm. oui parce que comme c'est on va tout faire peu importe que tu aies un dossier facile que c'est un renouvellement ou que tu aies un dossier plus difficile mais manquer de respect de même trouve-en un autre c'est pas très... il ne plaint si tu veux fine mais, mais pourquoi que tu as appelé nous que tu as attendu maintenant on va dire ouais. un mois et demi ça va te le faire faire avec nous autres fait que c'est toujours ça que j'ai voulu vraiment comme démontrer niveau de de de, 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 de comme l'équipe c'est pour ça que je pense que l'esprit d'équipe est vraiment est vraiment bonne puis justement qu'on a un target que ça l'avance tout le temps puis là, tu sais, justement, là, on est devenu comme un équipe. Mais là, moi, après ça, je suis comme, OK, good, mais tu sais, ça va être quoi après? Tu sais, où est-ce qu'on s'en va? Puis là, tu sais, on est en train d'ouvrir, on est en train de partir de notre propre cabinet. Tu sais, fait qu'on va se détacher de multipret. Cool! Oh, bravo complètement. C'est une grosse prise de là. risque. Ça. Ouais, ça, c'est exact. Parce que, tu sais, pour revenir comme au bureau, après ça, le, le bureau a été que je t'ai rendu confortable. Puis, tu sais, c'est con à dire. c'est rentable, là, le bureau, euh, hein? en toute indiscrétion? Non, euh... en ce moment, on l'a même pas encore eu. Fait en ce moment, ça me coûte 18 000 par mois dans le trou, là. Fait que c'est nice. pas rentable. Puis, là. Puis tu dors bien. Hein, ouais, ouais, okay. ça dort Ça, ça adore comme, regarde, on va passer au travers, mais c'est parce je, que le bureau. J'ai pas studio, je comprends. Ah, oh, c'est ça. <laughs> tu sais, c'est comme. <laughs> puis, tu sais, c'est pour ça que ça me fait réaliser, honnêtement, là, pour que tu puisses. Tu sais, comme. J'étais comme, ok, mais écoute, mais pourquoi qu'il y a pas plus de monde qui ont des bureaux de même? t'sais, des 3000. Chris, mm -hmm. faut que t'ailles les reins solides. Ouais. Pour ouais. être franc, là, faut que t'ailles les reins solides en estime. Puis, comme. Parce que même que quand. On, justement, je suis devenu plus. Plus, mettons, euh, confortant. Fait qu'on dirait, je prenais moins c'était plus, mettons là, tu rentres, ouais. tu fais les câbles, y en a qui marchent, puis il y en a qui marchent pas. Mon bon, dieu, j'étais comme, T'as perdu un peu la flamme, tu sais. Puis là, justement, j'étais comme, Chris tu on, on, on commence à être tassé, qu'est-ce qu'on va faire? Puis d'un co-working, vu que c'est au mois, puis t'as pas de contrat, tu payes cher ton pied carré. dire ouais. tu loues cher puis tout. Là, tu sais, j'étais rendu, man, ça me coûtait euh, 3-4 000, mettons. là. je oh, suis comme, bon, là, mettons, puis j'avais été visé, j'étais comme, good, mais là, peut-être faudrait que je pense à plus long terme. Peut-être acheter de quoi, c'est 2 3 000 pieds carrés, louer une partie, descendre les coûts, mais je voulais pas acheter au début. Puis j'avais été Visiter des places, parce que j'avais mis un courtier immobilier, ben mon chum de gars, en fait, mais qui est courtier immobilier. Je fais écoute, tu pourrais-tu checker pour moi peut-être des locaux commerciaux qu'on pourrait louer? Puis on, il nous avait trouvé, je pense, au début, c il y avait une place qui avait un 800 pieds carrés, un 1500 et un 2500. Puis je suis comme, c'est parfait, parce qu'en le voyant vraiment, je vais être capable de savoir, tu sais, quelle grandeur que je veux. Écoute, on arrive là-bas, là, le courtier immobilier, là, tellement broquette, là. le gars, il est genre habillé, man, tout croche. On arrive, il est assis comme ça. Comme ça, genre, mais sur une chaise. Puis là, je suis comme, ouais, écoute, on est là, mais pour visiter. comme, ah ouais, OK. Euh. Là, il nous montre la place. Puis là, je suis comme, tu mais le 800 pieds carrés, si oui, il dit, c'est là. Je suis comme, OK, t'sais, ça a quand même l'allure. Mais il me parle de prix. Comme, ouais, mais tu l'autre, il va être plus cher, là, tu sais, tout. Là, je suis comme, OK, mais t'sais, on peut tu on peut-tu voir pareil? Ouais, OK. Puis là, je dis, mais est-ce est que je pourrais voir, tu le 2500 pieds carrés? Ouais, mais là, tu sais, c'est parce qu'il est comme loin, mais là, le bail mais, est fini. Mais tu est-ce que t'es sérieux, genre? Ou? Ah ouais. Là, je suis comme, mais là, sais, Parce que 2500, il dit, ouais, mais là, tu sais, vous êtes combien, vous autres? Ben, je dis, là, en, en ce moment, à ce moment-là, on était 7, je pense. Je dis, on est 7, tu sais, mais, tu ça, ça grossit quand même vite, puis on a une bonne croissance. fait, ouais, wow, mais tu en même temps, là, vous ne serez pas 40 dans deux ans, là? C'est beau. Ouais, c'est ça. Là, moi, puis, mon chum, on est là, puis je suis comme, honnêtement, man, je fais peut-être. Mm -hmm. mais, mais là, lui, en disant ça, il rit, mais je suis comme, peut-être. Puis, je ris pas, puis je suis comme, OK, fait que toi, dans le fond, tu es en train de dire que moi, j'ai pas nécessairement les moyens, puis moi, tu sais, comme, je suis comme, c'est-tu aucun... je, je, quoi? On va juste c'est notre candidat. C'est impossible que je loue de quoi de ce gars-là. Puis, j'avais commencé à checker sur Internet. Puis, j'avais vu justement des condos commerciales dans le coin justement de Saint-Hubert, entre les promenades et le 10 parce que 10-30, c'est de la location. Mm -hmm. Puis, j'ai comme, Chris, c'est le plus proche du 10 Tu peux louer ça. C'est un 3000 pieds carrés. Là, man, on... j'appelle. C'est vendu. Alors, comme, classique, c'était sûr. C'était un million plus taxe. Déjà là, voir le prix. Et là, moi, j'appelle un de mes chums. Je suis comme, écoute, ça tenterait-tu qu'on l'achète à deux? J'aurais pas écouté tout de suite de l'acheter tout seul, mais on pourrait peut-être faire ça à deux. Je fais déjà là, c'est quand même un million plus taxes. Là, puis là, il dit, ah, mais c'est vendu, puis tout le kit. Mais là, on laisse ça de même. Je suis comme, ça me fait chier. C'était quand même bien placé, mais j dit, en même temps, tout arrive pour une raison, puis je me collerai pas dans le trou. Le lendemain soir, je pense. J'appelle un prêteur parce qu'il y a des prêteurs qui, à cause du volume qu'on fait, on a un analyste qu'on travaille toujours avec lui. Okay, ouais. d'un fois, mettons, je peux l'appeler, hey, mais j'ai tel dossier à qualifier, tu penses de quoi, ok, parfait, mais je te l'envoie. C'est comme plus rapide. Je l'appelle, puis on commence à jaser de n'importe quoi. Je sais pas pourquoi on est tombé là-dessus. Je fais ah, tabarnak, man. J'ai dit, « On est allé voir un bureau parce qu'on check de quoi, puis là, tu ça s'est vendu, c'était parfait. Puis il dit, oh, c'était quoi, et tout. Là, j'ai dit, c'est Chris. Il dit, c'est mon frère le propriétaire du building au complet. Je <laughs> suis comme impossible. C'est quoi les odds? Que le building qui est là, ouais. ton frère, c'est le propriétaire. Puis là, aujourd'hui, je te parle de ça, nowhere, quand je te parle de rien, jamais. Il fait attendre mais, mais je vais l'appeler. Il l'appelle, tout. Il me rappelle, il faut avoir, mais là, mais les délais de financement, mais ils sont finis tout, le quitte Il dit, hey. fait que là, mais je parle avec, avec son frère, il est comme, good, mais c'est quoi ta business? je compte, c'est du courtage hypothèque, quand t'as finance, etc. Puis lui, c'est son frère, mais il y a plusieurs compagnies, dont une compagnie de financement, etc. Puis il est comme, c'est le genre de business que je veux avoir. Fait qu'il dit, c'est beau, on bombe l'autre, puis je te le vends à toi. Là, je suis comme, Impossible, man. What the fuck? Mais là, on, on fait faire le financement là, Tu tu sais, comme... Genre, je me sentais comme un client. Tout est long, ça gosse, <laughs> le service, c'est compliqué, tout le kit. Là, maintenant, on commence à faire mais des soumissions de Renault de, de genre Renault, etc. Ça va coûter 600 000 en Renault. Là, je suis comme <laughs> 1.6 <laughs> million. Là, maintenant, on commence à calculer que les frais de condo, tout le kit, <laughs> les affaires. Je suis comme. Fait que là, on est à 18 000 par mois, là. 18 000 par mois, good, c'est 200 quelques 000 par année qu'on sort là, de nos poches. Okay. Là. Fait que là, je suis comme. Puis c'est 18 000 en mettant 200 000 de cash. Là. Ouais, c'est ça. Là, je suis comme, bon, check ben. Euh, good, on le fait. Mais là, man, le financement, ça bérait tellement. Puis tout, je me lève un matin, je commence à me chier une équilote. Je suis comme, tu sais quoi, fuck off, on back off. Puis là, moi, mais il y avait le conseiller immobilier avec qui que je fais affaire qui voulait me louer un bureau. Puis j'ai un gars en assurance que j'ai faire du monde qui voulait un bureau. Puis j'avais un notaire qui voulait un bureau. Puis moi, je prenais 6-7 bureaux. Puis il était comme PC. On est même prêt à te le louer plus cher. Là. On s'en crisse, Tu n'as aucun risque que tu prends. Là. Tu vas nous louer. Et puis quand, quand je faisais les calculs, j'étais même en profit. Tu sens que comme ça, c'était minimum break-even, mais j'allais faire de l'argent. mais C'était break-even, mais je me louais bureau. Ouais. Tu mon nom... autre J'étais comme, bon, je perds un peu d'argent, mettons. Mais j'étais comme, bon, sais tu quoi? Fais, oh, sais quoi, je fais, tu quoi, fuck off, OP. Je fais, te rappelles tu quand tu as commencé, tu pensais vraiment que tu allais rendre chez Raymond Chabot? Là, dis-toi la même crise d'affaires, j'ai fait OK c'est beau, on le fait. Puis on dirait que d'avoir mis, mettons, mes bases comme ça, ça a fait genre OK good. Ça a fait OK good, mais là, il faut qu'on fasse encore du meilleur contenu, faut qu'on fasse Il faut qu'on grossisse l'équipe, mais là, pour grossir l'équipe, faut qu'on s'assure qu'on reste constant. Je suis comme si mettons. Parce que c'est pour ça je pense que ça me garde autant, mettons. Ceux qui vivent, c'est que je suis comme mettons, là, demain matin, je ne sais pas, il se passe de quoi, tout arrête, le monde n'appelle plus. Chris. Y a, y, tu nourris du monde. genre Il y a mm -hmm. du monde qui te font confiance con, avec leur vie, ok contre une paye, mettons. Mm -hmm. Puis te dire, regarde, nous autres, on sait que comme ce que tu fais, c'est ça la coche. Genre, faut que tu montes l'exemple. fait que c'est toujours été, maintenant une, une source de motivation puis de pression. Parce que je le sais, comme justement, Nathan, là, ouais. il est rentré, puis le gars, il a faim, puis il veut avancer, puis tout. Je suis comme, lui, je, je le sais qu'il va vouloir de, de devenir courtier, puis un jour, ben, il va vouloir mettre son équipe. Mais s'il veut son équipe, ça me prend un cabinet, puis si je veux qu'il reste. T'sais, fait que si je veux que tout le monde continue à monter, faut que moi, je continue à monter. T'sais. Fait que là, j'étais comme, bon, OK. Fait que là, ben, c'est quoi, genre, mais le next step? Là, tout le monde me disait, t'es un malade mental de partir un cabinet. T'es un malade mental. Tu... Parfait. Mais ben là, tu rentres, tu rentres dans une autre ligue, là. Tu te bats contre du monde comme... Mais là, tu te bats contre des institutions, Ben, tu sais, tu te bats contre des... multi on est Contre multi du monde. Tu sais, c'est des gros, gros joueurs, mais tu sais, je suis comme... Tu te bats aussi des gens qui ont plus d'expérience. Exact, exact. Pourquoi? Parce que, tu sais, je suis comme, depuis le début, ce qu'on fait, c'est différent. Puis, tu sais, comme, multiprès, honnêtement, ils m'ont supporté de A à Z. Puis, tu sais, je ne serais pas qui je suis mm -hmm. sans eux. Mm -hmm. Mais, je suis comme, il y a des affaires que moi, je ne ferais pas comme ça. Il y a des affaires que c'est bon, mettons. Mais, mettons, moi, je suis comme, genre, on est dans un nouvel ère, mettons. Genre, il faut qu'on y aille. Puis, je suis comme, tu sais, si on a fait ce qu'on a fait, je suis comme. Puis, justement, par rapport tu sais, au courtier, par exemple, je suis comme, man, il y a un manque de formation. Mettons, fin, mettons, tu finis, puis tu d'autres formations. Mais, je suis comme, Chris, La vraie vie c'est pas ça. Là. La vraie vie, on va se dire les vraies affaires. Ça prend des clients. Ça prend un savoir parler aux clients. Ça mmh. prend, tu sais, mettons, ça, va peut être ça le cabinet. Ça prend des problèmes. Exact. T'sais, fait que j'étais comme, dans le cabinet, on va faire en sorte que, comme, tu sais, puis il y a des cabinets qui prennent beaucoup de frais, d'autres, qui en prennent pas assez. Je suis comme eux autres, ils ne feront jamais une scène. Si, tu sais, puis c'est comme, ah oh, ouais, ouais, mais tu sais, comme, non, c'est normal que tu fasses de l'argent. Charge mmh. plus, mais offre de quoi, offre du value. Mmh. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a trop les deux extrêmes. Fait que je suis comme on a tous mappé quelque chose, je suis comme, man, c'est sûr qu'on fait ça comme ça, pourquoi? Parce que, tu sais, puis, veut pas, on dirait que tu builds un momentum, tu tu as eu des réussites, tu, tu prends confiance, c'est comme, Regarde, on avait une idée, parce que moi, pour exemple, quand on prend les vidéos, je suis comme, ça va jamais marcher. Puis tout le monde genre l'industrie était comme tu un cave qu'est-ce que tu fais là puis si puis ça, ça le exact ça. puis tu sais comme pour de vrai mon vrai but là-dedans tu sais oui c'est d'avoir des clients mais tu sais c'était comme good mais on va éduquer les gens puis on va donner plein de contenu pour qu'ils aient assez confiance que comme hey Pierre-Charles on veut que tu nous aides parce que mettons, je crois à 120% que quelqu'un devrait passer par un... tu sais fait comme quand, tu es vraiment passionné c'est pour ça que quand que le monde exemple tu sais comme on, on parlait tantôt c'est comme rendu plein de monde qui font des vidéos mm -hmm. mais exact mais tu sais ils font Peut-être pas pour nécessaire. Oui, tu sais, ils le font ra... peut-être pour les mêmes raisons, d'aider les gens, etc. Mais tu sais, nous autres, au départ, c'était « Dans un an, on va voir qu'est-ce que mm -hmm. ça va donner. » on veut vraiment juste donner, 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 puis on va voir, tu sais. cest ta fenêtre de projection habituelle, un an? Ça va dépendre du projet, mais tu sais, comme mettons un, un... Mettons le cabinet, je m'étais dit, au départ, là, de quand j'ai eu mon permis, je suis comme « Dans cinq ans, on avoir un cabinet. » Oh fuck, OK. Puis finalement, c'est arrivé, mettons, ça l arrive plus vite, tu sais, justement, que comme prévu puis, le, 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 le but, puis c'est ça aussi, parce qu'il y a certains cabinets qui se sont partis, on n'aimera pas de nom, que, whoop, ils, ils prennent du monde de d'autres cabinets, etc., puis là, sais, justement, ils m'ont rencontré, ont fait tu PC, non, je comme, moi, je veux pas, je veux pas de vos courtiers, t'sais, moi, je veux vraiment le monde, ils vont venir nous voir, ça sera pas cheap, ça sera pas expensive, ça va être entre les deux. On va les coacher. Pourquoi? Parce que, veux-vous pas, au volume qu'on a, puis comment on a fait nos affaires, puis même la structure interne, mettons, on a des adjoints, on a des souscripteurs, on a des courtiers, c'est jamais vu. Puis, fait, même que le monde m'appelle, comme Pierre-Charles, écoute, on a des équipes, et on aimerait ça que tu nous aides. Fait que, on n'a jamais eu de support, on s'est toujours démerdé. C'est pour ça que, mettons, ma première année, honnêtement, c'était super stressant, parce que c'était même pas juste. « Good, t'es courtier, puis t'aides les gens. » C'est comme, il y a comme tout en arrière, le fait de comme, genre, « OK, mais Puis c'est con, mais les salaires, comment que je paye lui, comment mm -hmm. que je paye elle? Là, je mm -hmm. peux Tout ça, c'est comme de laisser erreur. Puis comme, ça a causé des irritants. Puis je me rappelle, justement, tout à l'heure, on parlait de Nico, Christ, deux mois de temps. Il est venu, puis j'étais comme, « Good, mais tu être avec moi? » mais tu ne seras pas payé pendant deux mois. Parce qu'au départ, on n'avait pas nécessairement les fonds, puis je voulais être sûr d'avoir du monde, tu veux vraiment, là Good, ben démonte-moi que tu veux. Le gars, il le fait. Le mettons, au début, son salaire, ça lui donnait 30 000 par année. Puis il était comme, good, on le fait. Puis après ça, il montait comme genre un souscripteur. Puis aujourd'hui, il est courtier. Puis il va faire probablement pour sa première année, au-dessus de 100 000. Mais là, le monde qui rentre aujourd'hui, sont comme, on veut faire ça. Oui, mais ce gars-là, man. Tu il y a, y a, y a une courbe il n'y a tout personne tout. qui rentre aujourd'hui et qui va faire autant pas d'argent que lui. Ouais. Fait que tu peux pas comparer deux personnes, tu sais. Ouais. Fait que, que c'est toujours été ça, mettons. Mon back against the wall, puis de vraiment vouloir, tu vraiment vouloir aider le monde. Mais là, ça, ça s'en vient plus gros. Ça s'en vient de je veux aider les, les, les autres courtiers parce que il y, y a des courtiers qui se fait des années qui sont là-dedans. Tu sais, de, 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 quand es courtier, il y a genre des, des groupes d'infos de personnes qui posent des questions. Puis je peux pas croire, ça fait 5 ans que tu passes comme que t'es courtier puis comme tu demandes si tu peux avoir, mettons, telle exception, tu pourrais faire telle approuver, telle affaire. T'sais. Fait qu'on a la chance de, comme en deux ans, j'ai fait probablement autant de dossiers que quelqu'un qui fait 15 ans qui fait ça. Wow. C'est un peu ça, mettons, est comme. Puis il y a Il y, y, y a comme beaucoup de dossiers qu'on fait cette année que je suis comme j'aurais jamais osé prendre ça l'an passé. J'aurais jamais osé comme essayer ça ou d'expliquer. E parce que tu te rends compte qu'en bout de ligne, c'est toujours... Du gros bon sens, t'sais, un dossier. Mm -hmm. Un peu comme, tu sais, j'imagine que, comme tantôt, on parlait d'avocat, puis de fiscalisme puis mm -hmm. etc. Puis ça, c'est mon prochain, justement, le cabinet, c'est le prochain défi que, boum, c'est drôle parce que je me sais assis av av avec du monde qui, comme, ils détiennent, mettons, les 12 plus grosses firmes hypothécaires au, au Canada, tu sais, fait qu'ils sont vraiment, comme, non d'argent, tu sais, puis ils sont vraiment, vraiment gros. Puis c'est drôle parce que la raison pourquoi, moi, moi, moi cette personne-là, on s'est rencontrés, c'est qu'il est, comme, tombé sur, sur, sur mes vidéos. Puis, lui, avant, c'était une personne de marketing pour des grosses compagnies connues. Puis, euh, il était comme honnêtement, tu ce que tu fais, c'est vraiment comme wow. Puis, il dit, je voulais te rencontrer. Puis, je voulais qu'on se parle. Puis, j'ai parlé comme de mon projet parce qu'il y a quelqu'un qui peut m'épauler là-dedans. C'est lui. Là, mm -hmm. dirait, il, il y a quand même plusieurs bannières euh, qui sont sous lui. Puis, euh, il était comme parfait. Tu veux être, tu veux partir, mettons, ton cabinet. Mais, il dit, il faut que tu sois partout au Canada. Puis, j'étais comme. C'était la première fois que je m'assoyais avec quelqu'un qui était comme. Au lieu de me dire, mettons, aïe, aïe, ça va être dur, non, non, mais tu vois pas, c'est gros. Ça, ouais. j'ai fait genre, osti. tu sais, on va y aller un étape à la fois, mais je suis comme, good, le Québec, on va, tu sais, on va, on va de mettre tout en place, une structure, blablabla. puis blablabla. Tu sais, mais là, il y a genre du monde, tu sais, comme, ouais, mais là, mais tu vois, mais c'est l'OMM, puis là, la, la réglementation, on va s'asseoir avec eux autres, good, mais qu'est-ce que ça nous prend, puis je vais engager du monde, puis on va tout. Tu sais, le but, c'est que tout soit sa coche, puis que vraiment tout le monde fasse. Tout le monde a plus de clients, tout le monde a plus ci, tout le monde a plus de ça. Puis ma force, tu justement, c'est le marketing. Fait que je peux aider des courtiers. Je comme, tu de pas en peur, dis, non, non, mais tu sais, comme, essaie pas de me copier. Regarde, on va te pimper de quoi à ta façon, mm -hmm. on va te faire ça à ta manière. C'est personnalité, ça. en fait. C'est comme, tu... on revient à l'humain, finalement. Dans exact. C'est ce que... 100% ça, ouais. peu importe. Fait que après ça, ça, va être Ontario, Vancouver. Tu sais, fait que si tu me demandes, mettons, comment tu vois ça, c'est ça. Tu je suis comme, même encore plus loin, plus tard. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une firme de genre. L'assurance, tu sais, on pourrait ouais, ça avoir. Comme euh, ça, tu ouais, encore plus. L'assurance, tu sais. Wow. Parce que justement, tu sais, ça, ça va comme. Ça, ça va. T'sais, ça, même l'immobilier, tu sais, justement, le, le, les côtés, Je pense que comme la vente d'envie, mettons, un coup, tu caches vraiment comment que ça fonctionne. T'sais, tu sais, tu n'as qu'ils ne l'auront jamais. Ouais. Mais tu sais, je suis d'accord que si, mettons, tu es coaché ou si tu as, as de la bonne formation, tu peux devenir meilleur. Puis ça, c'est ma mère qui me l'a fait très Un Un elle m'a dit. Parce qu'on travaille sur une académie aussi en même temps, de comme je veux on va on, on, on va lancer un cours d'éducation financière ça va genre être comme 200-300 vidéos vraiment de A à Z mettons, là, de comme tu comment whatever économiser les ratios etc puis euh, on va en faire un autre sur la vente tu sais puis maman elle est comme mais pourquoi tu veux faire un cours sur la vente parce que je dis tous les cours que j'ai mettons, écouté ou whatever c'est de la style de mort, comme, garde là à tel moment, tu vas dire telle affaire, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais j'ai dit, c'est tellement psychologique. J'ai dit quasiment un cours de psychologie que je veux vraiment, tu sais. Puis par expérience, etc. Puis comme... là, maman était comme, oui, mais pas tout le monde va réussir à ton niveau, tu sais. Il va dire, tu n'as qu'ils l'ont juste pas. Puis j'étais comme, pis je me rappelle, on était chez ma tante quand elle m'a dit ça. Puis j'étais comme, t'as tellement raison. T'sais, on dirait que dans ma tête, moi, je veux que ouais. tout le monde excelle à un niveau, genre, puis je suis comme, Chris, t'as tellement raison, mais je suis comme, par contre, Quelqu'un va peut-être passer, on va dire, mettons, je ne sais pas qui vend des chars, de faire 50 000 à 75 000. T'sais, tu sais, comprends tu comprends-tu? Ouais. Non, mais c'est ça, ce n'est pas tout le monde qui est coquin, mais tu peux, par exemple, améliorer ta chute puis avoir du fun quand même, mm -hmm. d'une certaine façon. Oui, 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 oui c'est extraordinaire. mais Il faut oui. il libérer. Merci. Oui, on doit te libérer. Merci. Ça a passé vite, man. Mais c'est mieux que l'inverse. Merci, merci, merci. 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 merci de, la, de, de ta générosité, mais premièrement. On tue, est on tue sur TikTok, on tue sur Instagram, on tue sur Facebook. On te contacte comment, mettons euh, le, bon, euh, rébelles, On rébelles te rend téléphone. Ouais. 438-867-5026. Deux brèves. Et un roi. Et roi. <laughs>